Oh. Pourquoi la gauche est comme ça, les gens? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi je dois constamment critiquer la gauche? J'ai pas envie de faire ça, les gens. C'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils croient que genre c'est un truc que j'ai envie de faire qui m'apporte du plaisir. C'est fou. C'est fou ce truc. Ah oui, il y a quelques dons que j'ai pas lus. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui me font des dons hors stream, ce qui est très 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 stylé en vrai. Hein. Merci beaucoup, Karim Boualam. Merci beaucoup. Merci pour tes contenus qui donnent de la force. Merci pour les 10 euros. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup aussi à The Fancy Romy. Pour les 4 euros, je pense que c'était un don hors stream. Ou alors Sirius Chris avec les 5 euros. Je sais pas. Ces derniers jours, il y a eu des dons. Voilà, je voulais être sûr que je ratais pas des lectures de dons. Comment ça va, les gens? Comment ça va? Posez-vous. Nous sommes mardi. Et c'est reparti pour un stream de tréa politique au-dessus des clivages, apartisan. Vous savez déjà comment ça se passe. Enfin, un streamer réellement apolitique. Ouais, pas de politique sur ce stream, s'il vous plaît. Pas de politique. On veut passer un bon moment. Oh, c'est bon. On n'est pas obligé de parler de politique tout le temps. Donc on n'en parlera pas. Salut Stefano Prisotta. Vous êtes éthicien. Est-ce que vous êtes éthicien, les gens? Est-ce que vous êtes éthicien, vous? Oui, apparemment, il y a eu une fausse manip des os pour l'attente. J'étais en train de manger, les gens. Vous avez pas envie de savoir à quoi ça ressemble, genre quand je suis juste avant le stream en train de me préparer? En fait, il y a des trucs que vous voyez pas de votre côté. Genre, par exemple, je fais des tests de son avant le début du stream. Et je dis les pires choses pour tester le son, bref. Même les dons, il les lit pas. Ouais, je suis contre la lecture. Hein. Bouisateur, est-ce que ça va, Mulch? Je sais pas si on peut dire que ça va. On peut dire que je suis vivant. Ça, c'est sûr. Ça fait plaisir de te retrouver sérieux. Tes derniers streams sont top. Je valide de ouf. Bah, merci beaucoup, Jaurès. Mais quand est-ce que j'ai pas été sérieux? Je comprends pas ce que tu veux dire. Je me suis fait déban. On a déban tout le monde, les gens. Tout le monde est déban de la chaîne. Moi, je suis pour la justice réhabilitative. Hein. Jusqu'au bout. Est-ce que dans le lot de personnes déban de ma chaîne, il y a des nazis? Oui. Et c'est une bonne chose. Sauf Broly, il n'a pas été déban car non canon. Attendez, c'est un vrai truc, ça? Merde, si c'est une ref que j'ai pas, je vais avoir l'air con. Bref, les gens, je sais même pas de quoi on parle. Je sais même pas c'est quoi le stream aujourd'hui, les gens. J'ai rien préparé. Je suis devant vous, je parle, je suis. J'ai pas fait mon travail, désolé. Aujourd'hui, j'ai pas fait mon travail du tout. J'ai fait du montage. J'ai fait du montage, ok? Parce que ces derniers jours, on a quand même eu énormément de choses qui se sont passées sur la chaîne. Hein. On a eu bah, toute la couverture de Naël. On a fait, genre, je crois, les 4 derniers streams, on a parlé de Naël tout le temps. On a fait des débats, on a fait peut-être 3-4 débats la semaine dernière. Avec des viewers principalement. Oui, avec des. Ouais, non, seulement avec des viewers même. Donc, ouais, j'essaie de vous fournir ça sur la chaîne parce qu'en vrai, y a du bon contenu. Moi, je trouve que. En tout cas, moi, selon moi, c'est du bon contenu. Moi, quand je considère que c'est du bon contenu. Quand je considère que j'ai bien argumenté mes positions. J'ai été efficace, j'ai bien contre-argumenté contre les trucs de merde en face, etc. Pour moi, ça doit être publié, hein. Même si c'est avec des viewers, même si c'est pas forcément d'autres influenceurs. Stream chill, t'inquiète, t'as écouté quoi de nouveau récemment? Ah, niveau musique. C'est une bonne question, ça. J'aime bien ça, j'aime bien Bouisateur, j'aime bien. Alors, l'autre jour, j'ai écouté le nouvel album de Lil Uzi, The Pink Tape. J'ai pas été hyper enthousiasmé par le projet. J'aime beaucoup Lil Uzi. Mais le dernier projet, je sais pas. Hein, les instrus, les rimes, les flows, etc. C'est pas. Ça m'a pas convaincu. Le débat d'hier était un peu longué. Ah là là.
Non, sinon l'autre jour. Ah oui, l'autre jour, je me suis fait un kiff niveau musique. J'ai écouté du Maurice Ravel. Maurice Ravel et Jean Gaspard de la Nuit. C'est le feu. Je suis désolé. Les trucs de l'eau, là, comment ça s'appelle? L'eau. Les reflets de l'eau ou je sais pas quoi. Mais ce morceau-là de Ravel. En plus, c'était une pianiste incroyable qui jouait. J'écoutais des. Moi, j'adore écouter. J'adore regarder des vidéos de pianistes qui jouent. Sur YouTube, c'est un truc que j'aime bien. Genre les vieilles vidéos de Oscar Peterson, de Cory Henry, de plein de trucs. T'écoutes de la musique? Bourgeois. C'est vrai que t'as Astronophaf. Envoyez-moi le truc d'Astronophaf, je veux bien. Je veux bien le regarder. Je sais même pas c'est quoi. Les gens, faut m'envoyer du contenu parce que j'ai pas de contenu pour ce stream. Je suis désolé, vous pensez que c'est une blague, mais en fait, non, genre j'ai. Je sais juste qu'il faut que je stream le mardi, j'ai démarré un stream, voilà, je me mets à vous parler. Musique de neuroatypique bourgeois. La fac de musique m'a définitivement dégoûté de la musique savante occidentale. En fait, vous pouvez kiffer de la musique classique sans être cringe à propos de la musique classique. Genre oui, est-ce qu'il y a un grand nombre de gens qui écoutent de la musique classique qui sont incroyablement cringe, incroyablement hautains, toxiques, etc. Bien sûr. Mais il y a des trucs bien, les gens, hein. Il y a des trucs qui sont au premier degré bien. Vive le punk, nique cette musique de bourgeois. Oui. Est-ce que tu suis le sport un petit peu? Non, trop pas. Non, je suis vraiment pas un quelqu'un qui regarde le sport. C'est vraiment un truc. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment intéressé ou enthousiasmé. Après, bon, quand il y a la finale de la Coupe du Monde de foot, évidemment. Que je suis en soirée avec les potes à le regarder et à faire le gros simp de l'équipe de France, bien sûr. Mais bon, seulement la finale, même pas la demi, même pas les quarts, etc. Je regarde que les finales. Les compètes de grimpe, c'est banger de ouf. Attends, de. Genre d'escalade? Ravel, ça préfigure la musique de film. C'est vrai que ça fait très musique de film, Ravel, hein. Ça fait très, très. Musique romantique que t'entendrais dans des scènes de films. Salut Suri. Sur Discord dans React Astronophaf. Ah ok, merci. C'est vrai qu'il y a un Discord. C'est vrai qu'en fait, techniquement, j'ai un Discord et j'ai un channel où les gens sont censés m'envoyer des choses à React. C'est vrai, je. C'est une information qu'on oublie parfois sur ce stream. Non, en vrai, je sais un petit peu. Ouais, j'ai deux, trois trucs quand même, je sais. Un petit peu de quoi je peux parler. Je peux vous parler du tweet de Wissam que j'ai critiqué. Ne clique pas. C'est juste du drama. D'accord, c'est ça le truc de AstronoGeek. Ok. Parle des NFT. Non, 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 jamais. Regarde la vidéo de 1980 sur la police. Coluche qui dénonce la police. Ok, on peut se regarder ça. Attendez, il n'y avait pas un truc qu'on devait regarder? Ah oui, j'avais dit qu'on regarderait genre un documentaire sur les banlieues, sur le l'urbanisme qui a contribué. Banlieue. Urbanisme, je sais même pas c'est quoi la vidéo. Salut MyCop, comment ça va? Drama, please, ok. Mule, c'est le gars qui a rien préparé, rien révisé, qui ressort avec un 20 sur 20. Le pire, c'est que c'est vrai. Enfin, c'était vrai. À une certaine époque, il y a très longtemps. Après un bon roman de SF de Kropotkin, c'est stylé. Oui, c'est vrai que Kropotkin. En vrai, Kropotkin. Si vous lisez ça en considérant que c'est de la science-fiction, que ça se passe dans un univers parallèle avec des règles différentes de notre univers, est-ce que c'est pas du bon contenu si on le prend comme ça? En fait, c'est comme les films Hollywood les plus ridicules, les plus catastrophiques. Il faut les regarder second degré pour que ce soit du bon contenu. Les gens, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de regarder le film Battleship? Est-ce que vous vous souvenez de ce film? Mais genre, c'est avec Rihanna. Il y a premier degré Rihanna dans Battleship. Est-ce que vous connaissez la joie et le plaisir de regarder avec des amis Battleship en mode full second degré.
et à juste être éclaté au sol, éclaté de rire. Pourquoi je dis éclaté au sol? Éclaté de rire à la scène où il y a un porte-avions qui drift dans l'océan. En mode, ils mettent le frein à main et ils driftent un porte-avions. Et c'est juste le meilleur contenu. Hein. Moi, je suis désolé, c'est excellent. Dans les autres films comme ça, à regarder second degré pour le... Juste pour se moquer de à quel point c'est ridicule tout le scénario et tout ce qui est en train de se passer à l'écran. Vous avez Prometheus, les gens. Prometheus. Mulch fait des soirées Sharknado. Sharknado, les gens. Est-ce que vous connaissez Sharknado? Starship Trooper. Non, justement, Starship Trooper. Starship Trooper et second degré. Donc oui, il faut regarder Starship Trooper, c'est un très bon film, mais... C'est pas le même genre, vous voyez la différence. Samurai Cop, ça je connais pas. Prometheus, MDR, une honte ce film. Non, je suis désolé les gens, c'est le meilleur film de tous les temps. Rien n'a jamais dépassé Prometheus en termes de scénario complètement ridicule. Avec 400 000 contradictions en termes de scène légendaire. La scène où vous avez le vaisseau qui est un sort d'énorme donut qui se met à rouler... Comme ça, et vous avez les personnages, les héros qui sont devant et ils courent dans une ligne droite alors que le truc leur tombe dessus et ils pourraient juste genre se décaler de 2 mètres et survivre. Mais non, ils courent dans une ligne droite et ils meurent. Ça, c'est les moments qu'on veut. Ça, c'est les moments qui font qu'on apprécie le cinéma. Est-ce que t'as vu Tom Cruise, Edge of Tomorrow? Oui. Moi, j'avais aimé ça. Hein. Est-ce que j'avais aimé ça, premier degré? J'avais peut-être aimé ça genre en 1 degré 5. Tar Usul. Pour arrêter de regarder les films ironiquement, vous êtes juste pas capable d'inhiber votre lecture légitimiste d'un truc que votre cerveau masculin kiffe. Bateau plus canon plus alien. Il y a un peu de vrai là-dedans. Il y a un peu de vrai là-dedans, je te l'accorde. Ah non, mais moi j'assume les gens. Moi kiffer les trucs. Les gens, moi les John Wick, je vais regarder les John Wick au cinéma 100% premier degré et j'adore ça. Hein. Il faut assumer. Moi, je trouve que la gauche n'assume pas assez sa masculinité toxique. Je pense que les hommes sont opprimés en 2023. Il y a des ratés, mais tu peux clairement jouir de beaux plans au premier degré. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, voilà, j'ai retrouvé la vidéo sur les banlieues que je cherchais. John Wick, c'est incroyable, c'est pour ça. Oui, John Wick, c'est incroyable. Non, mais attendez. Faut que je sois clair, premier degré, John Wick, les scènes d'action dans John Wick, la façon dont sont filmées les scènes d'action, le niveau de chorégraphie, le niveau de... Bon, le scénario, ok, on s'en fout, on regarde pas John Wick pour le scénario, on regarde ça pour les scènes d'action légendaires hyper stylées, où juste John Wick arrive sur le dance floor et genre bute genre 400 mecs. Avant qu'ils puissent comprendre quoi que ce soit. Genre, c'est pour ça qu'on regarde le film. Et c'est légendaire. Ça a été filmé par des anciens cascadeurs. Ouais. J'ai vu Corridor Digital qui ont parlé de comment c'était fait et tout. J'ai vu les BTS et tout de John Wick, mais oui. Ouais, c'est des équipes qui ont un talent incroyable. Sur la chorégraphie, sur les cascades, les cascadeurs, etc. C'est vraiment des pros, quoi. John Wick, c'est fait par des chorégraphes. Faut le juger pour ça, ouais, exactement. Énorme banger, John Wick, je m'en fous. Jamais personne me convaincra que c'est pas du bon contenu. T'as apprécié Edge of Tomorrow? Si t'as apprécié Edge of Tomorrow, je te conseille le manga All You Need Is Kill, dont t'es inspiré l'anime, dont t'es inspiré le film. D'accord, allez, Finzam. Faut que je le note. Dans les scènes d'action, je préfère Mission Impossible. Les scènes d'action sont des masterclass. Oui, j'aime beaucoup les scènes d'action des Mission Impossible, ouais. Mais John Wick, en fait John Wick, ouais, les Missions Impossibles, vous allez avoir des trucs encore plus délirants, encore plus ambitieux et vraiment genre des scènes d'action où genre ils vont dépenser juste des millions pour avoir des trucs incroyables faits avec des effets pratiques, le Tom Cruise est juste complètement malade hein, dans ces scènes-là, genre il fait vraiment les trucs premier degré. Premier degré, pourquoi je dis premier degré? Il fait les trucs réellement quoi dans la vraie vie, IRL. Mais
Mais John Wick, c'est pas, ouais, c'est, John Wick, c'est pas vraiment le même genre de film d'action. C'est pas, ils misent pas sur le budget incroyable, sur un set-piece légendaire pour une scène bien spécifique et tout. Ils misent sur la chorégraphie, sur les cascades, sur la façon dont c'est filmé, sur le sound design aussi. Je trouve le sound design de John Wick est vraiment excellent. Après avoir vu John Wick, les vieux films d'action paraissent fades un petit peu. Je suis totalement d'accord, Abim Vora, je suis totalement d'accord. C'est incroyable, tu regardes des vieux films et tu te dis mince, en fait, ils savaient pas comment filmer, ils savaient pas comment créer une scène d'action où tu comprends vraiment les déplacements des personnages, ce qui se passe, où on n'est pas en train de cacher soi-disant une situation où tout est censé être tendu, tout est censé être rapide, etc. avec juste du shaky cam incompréhensible, paresseux. Jackie Chan, c'est mille fois mieux tourné. C'est pas la même chose. C'est pas la même esthétique, c'est pas les mêmes objectifs et tout, mais oui, Jackie Chan, c'est excellent, ouais. John Wick, il y a des scènes de combat où c'est juste du fun en intraveineuse en oubliant le réalisme. Ouais, oui, c'est ce qu'on veut. Par contre, faut se calmer, sinon dans 10 minutes, ça commence à défendre les Marvel MDR. Ok, les Marvel, faut les regarder second degré. Les Marvel, tu peux les regarder. En vrai, c'est un peu une perte de temps, mais si tu veux les regarder, regarde-les, mais second degré. Mais même les films eux-mêmes sont conscients des aspects les plus ridicules des films et font parfois des petites vannes comme ça où vous pouvez. Ça se prête bien à être regardé second degré, mais bon. Sinon, je te conseille Ambulance de Michael Bay, les scènes d'action sont énormes. Attends, Ambulance? Après Michael Bay, ouais, normal. Est-ce que je l'ai vu ça? Attendez, je le Google vite fait. 2022? Ah non, je crois que je l'ai pas vu. Ambulance. C'est quoi? Remake du film danois Ambulansen. Ambulansen. Je sais pas comment il prononce ça. À Los Angeles, Will Sharp est un homme sans histoire de la classe moyenne. Déjà d'entrée de jeu, cringe, la classe moyenne n'existe pas, il n'y a que deux classes. Non, je... Ancien soldat en Afghanistan, il a désespérément besoin de 231 000 dollars pour les soins médicaux de sa femme. 231 000 dollars pile, hein, c'est... pour les soins médicaux de sa femme. Ah bah j'aime bien déjà. Déjà ça dénonce le système capitaliste américain de santé privée, ça commence bien. Il contacte alors Danny, son frère adoptif au passé criminel, pour l'aider. Celui-ci le recrute pour participer à un braquage pouvant rapporter près de 32 millions de dollars. The LA Federal Bank Trust. Mais rien ne se passe comme prévu. Leurs complices sont tués et les deux frères tirent sur un officier du LAPD. Pour s'enfuir, ils volent une ambulance. À son bord se trouve Cam Thompson, une ambulancière, et l'officier de police mourant sur lequel ils ont tiré. Ok, pourquoi pas. Il y a Jake Gyllenhaal, ok. Le fameux film qui ne peut pas exister en France. Oui, c'est comme Breaking Bad, genre Breaking Bad ne pourrait pas exister en France. Course-poursuite dans LA, ok. Bon, bah ça a l'air bien, hein. 32 millions pour payer 230 000, ça vaut le coup, ouais, carrément. La sécurité sociale aurait rendu ce film impossible en France. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que la France est incapable de faire des bons blockbusters, c'est parce que dès qu'on veut faire un scénario pour que les gens aient un problème dans leur vie qui mène à une crise, à des scènes comme ça, etc., en fait, il n'y a pas de problème parce que juste le pays est fonctionnel. Parce qu'on a la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas assez de tension, en fait, pour faire un scénario. À quel moment on peut interpréter comme créationniste Prométhéeus, qui est littéralement un pied de nez au créationnisme? On ne peut pas faire équivaloir Alien et Dieu dans Prométhéeus, sinon on passe à côté du message. Oula, mais moi, je ne parle pas du message du film. Mais genre, moi, je parle des incohérences, etc. Better Call Saul pourrait pas exister en France, ouais. Vous comprenez pas la magie de Marvel? Si! Je la comprends, c'est juste que... En fait, il y a trop de problèmes dans les scénarios. Mais bon, bref. Les gens, est-ce qu'on parlerait pas quand même? Est-ce qu'on commencerait pas le stream peut-être? Ça fait combien de temps? Ça va faire 40 minutes. Je m'adressais au chat. D'accord, pardon.
Tu n'as pas bien lu Marvel, Mulch. Relis Marvel, relis Marvel. Tu ne comprends pas, tu n'as pas compris les arguments. Ouais. Bon, ok, premier truc, les gens. Non, mais je regarderai Ambulance, hein, ça m'a donné envie. De toute façon, Michael Bay, bon, bref. Ok, les gens, faut qu'on parle de ça vite fait. Donc, sur Twitter, Clémentine Autain a reçu des critiques pour son annonce d'une marche antiraciste, une marche pour la justice, ok? Alors, moi c'est marrant parce que ces derniers jours, sur mon stream, même dans Discord, etc., beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire, Mulch, qu'est-ce que tu penses de la gauche, au sens les partis de gauche, au sens les syndicats, etc. Qu'est-ce que tu penses du fait que ils semblent rien organiser, ils semblent pas organiser de marche, ils semblent pas appelés à faire des grèves, des mouvements à la hauteur du moment actuel qu'on vit, suite à l'affaire Naël et suite aux émeutes, aux révoltes qu'il y a en ce moment. Et là, l'énorme contestation du statu quo. Donc beaucoup de gens sont venus me voir et moi j'ai dit bah moi je suis d'accord que par exemple les syndicats je suis totalement d'accord que il y a un problème dans la stratégie, ça veut dire que je comprends même pas pourquoi les syndicats ont arrêté d'organiser des grèves contre la réforme des retraites. De base, est-ce que quelqu'un a compris pourquoi ça s'est arrêté ce truc? Moi je pensais que c'était le mouvement continue jusqu'au retrait de la réforme. C'est ce qu'ont dit les syndicats, c'est ce qu'a dit l'intersyndicale, etc. Où est l'organisation d'une grève générale en France? Bref. Mais maintenant que c'est l'affaire Naël, moi, justement, ça donne une raison de plus pour que les syndicats organisent cette grève générale et organisent ce mouvement de contestation du statu quo et mettent en place un vrai rapport de force en stoppant l'économie. C'est ce que j'ai préconisé, moi, ces derniers jours. Mulch, c'est parce que c'est l'été. Non, ça c'est pas valide du tout, les gens. L'été, la vie continue, il y a des millions de personnes qui travaillent l'été. Comment ça, parce que c'est l'été? Ah oui, je me souviens, l'été dernier aussi, j'étais en train de. J'avais une critique des syndicats, je disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent et tout. Et les gens me disaient, non, mais c'est l'été, le travail syndical va reprendre en octobre ou un truc comme ça. Genre, comment ça marche? Genre, non, ce truc n'a pas été valide, hein. À aucun moment. Donc du coup, moi j'ai cette critique pour les syndicats. Par contre, pour la France Insoumise, je trouvais que la France Insoumise, pour l'instant, avait bien répondu à l'affaire Naël, hein, sur les plateaux, en faisant les arguments, en proposant des sorties par le haut, en refusant de faire les appels au calme. Hein, vous voyez très bien sur chaque plateau télé, dès qu'il y a quelqu'un de la France Insoumise invité, les journalistes larbins du système disent... Est-ce que vous appelez au calme? Et ils disent non, on n'appelle pas au calme, on appelle à la justice, on appelle à des changements, on appelle à enlever la loi de 2017, on appelle, etc., etc. Donc ils avaient l'air de faire le taf. Et maintenant, non seulement il y a ça, mais en plus, Clémentine Autain est allée faire une interview dans Libération. La députée insoumise de Seine-Saint-Denis, le retour au calme ne, pour la députée insoumise de Seine-Saint-Denis, le retour au calme ne peut passer que par des décisions politiques sur la doctrine de maintien de l'ordre et le social. Elle appelle la gauche à prendre exemple sur la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 et à enclencher un mouvement au long cours. Il y a 18 ans, Autain était à la marche demandant vérité et justice pour Zied Bena et Bouna Traoré, électrocutés dans un transformateur après une course-poursuite avec la police. Depuis, la situation dans les quartiers populaires s'est aggravée. Alors que les insoumis sont critiqués pour ne pas avoir assez clairement appelé au calme, elle explique souhaiter l'apaisement, mais considère que cela n'arrivera pas si le gouvernement se cantonne à une réponse sécuritaire. Etc. Le reste de l'article est payant, donc bref, on n'a que ça. Et donc voilà, quand vous lisez ça, quand vous lisez les propos de Autain, est-ce que vous voyez un problème, vous? Est-ce que vous dites, oula, il y a un souci? Je pense que la plupart des gens antiracistes n'ont pas de souci avec ça. Sauf que Twitter existe
Et donc, certaines personnes critiquent. On a une critique qui vient de Wissam. Donc, Wissam cite Autain. Le moment est venu. Ok, Clémentine Autain. Seulement, il s'agirait de se renseigner. Car ça a déjà existé. Et pas seulement en 83. En 2017, c'est même un groupe de femmes non blanches qui a organisé une grande marche pour la justice et la dignité. Mais, attends, Wissam, c'est une bonne chose que Autain appelle à une marche pour la justice, non? Genre, c'est incroyable parce que il y a plein de personnes qui se disaient décoloniales ces derniers jours, qui critiquaient les gens de la France insoumise en disant « Regardez, ils appellent à rien, c'est silence radio, ils appellent pas à faire de marche. » Enfin, moi, on a eu ces critiques dans le chat de mon stream, sur mon Discord. J'ai vu des gens qui se réclamaient décoloniaux dire « Voilà, encore une fois, la gauche blanche s'en fout complètement, n'organise rien, etc. » Et là, ils organisent un truc. Là, ils appellent à faire une marche. Enfin, ils organisent un truc. Ils appellent à faire une marche. Et là, Wissam a un problème avec ça. Et en fait, c'est quoi son problème? Ça serait la formulation de la phrase, d'une phrase de Clémentine Autain. Le moment est venu. Mais attends, Wissam, c'est pas parce qu'elle dit le moment est venu de faire ça qu'elle est en train de dire que ça n'a pas existé par le passé. Ça n'a aucun sens, les gens. C'est complètement absurde, cette critique de Wissam. Elle n'a aucun sens. Et ensuite, il dit, en 2017, c'était un groupe de femmes non blanches, genre, ah, tu parles de ce sujet. D'accord, tu parles de ce sujet maintenant, mais est-ce que tu savais que des personnes non blanches ont déjà parlé de ce sujet par le passé? Oui, genre, et c'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose que Autain veuille faire une marche, je comprends pas. Quel est l'intérêt de ce tweet? Quel est l'intérêt de critiquer quand la gauche essaye de lancer une grande marche pour la justice? D'accord. Moi, honnêtement, à part du signalement de vertu, à part essayer d'être plus pur que pur, de se montrer genre encore mieux que LFI ou je ne sais quoi, enfin, c'est très cringe, hein, je comprends pas. Peut-être que Wissam a peur que se reproduise un touche pas mon pote, ça me semble pas illégitime de craindre. Non, 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 les gens, c'est pas... En fait, s'il y a un truc cringe que fait la France Insoumise, venez, on le critique quand il y a un truc cringe. Par exemple, la réaction de Ruffin initiale à l'affaire Naël, moi j'étais critique de ça. Dans mon stream, j'ai critiqué ça, j'ai dit c'est pas à la hauteur, Ruffin, son propos n'est pas basé, c'est problématique. Je comprends pas le truc de faisons des critiques à des gens qui font un truc bien parce que peut-être dans le futur, ils feront un truc pas bien. Donc dès qu'ils font un truc bien, on va les critiquer pour empêcher qu'ils fassent des trucs mauvais dans le futur. Ça n'a aucun sens, les gens. Essayez même pas de le défendre logiquement parce que c'est un échec, hein. Genre là, c'est littéralement... Donc attends, donc l'incitation du coup que Wissam est en train de faire pour Clémentine Autain, c'est arrête de proposer des trucs, arrête d'essayer d'organiser des trucs, arrête d'essayer que ça se fasse une... parce que ça serait négatif la formulation de ta phrase. Enfin, je suis désolé, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Alors il dit, il faut le soutien de la gauche et une partie d'entre elles réagit très bien face à l'épisode actuel. Mais il s'agirait d'éviter de penser que rien n'a été fait sans elle. Mais attends, Wissam, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Genre, elle a jamais dit ça. Donc, encore une fois, c'est un homme de paille. On fait des critiques à la gauche pour aucune raison. L'antiracisme a déjà lancé ce genre d'événement. La gauche les a boudés. Mais Wissam, Clémentine Autain fait partie de l'antiracisme. LFI fait partie de l'antiracisme. Pourquoi sa phrase oppose antiracisme et gauche? Si tu n'es pas antiraciste, tu n'es pas de gauche. Si tu n'es pas antiraciste, tu es donc pro-racisme ou OK avec le statu quo raciste. Donc, je comprends. En fait, ça n'a aucun sens. La façon dont Wissam mais ça rejoint aussi des critiques que j'avais pour Boutelja, c'est-à-dire que le langage n'a plus aucun sens, d'accord? L'antiracisme a déjà fait ça. Mais attends, dans l'article lui-même, Clémentine Autain, on parle du fait que Clémentine Autain a littéralement participé à des mouvements, par exemple Vérité et Justice,
pour Ziad et Bouna. Je En fait, c'est vraiment exactement comme ce que fait Usul. C'est-à-dire critiquons la gauche avec des très mauvais arguments complètement infondés pour faire plaisir à nos viewers, pour faire plaisir à notre public. En fait, je sais pas, je sais même pas pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi Wissam fait ça, je sais pas. Du coup, j'ai tweeté les gens et il y a des gens, il y a des coloniaux qui ont essayé d'argumenter, hein. Donc, on va voir, peut-être qu'il y a des bons arguments. Donc, je dis que c'est toxique. Pourquoi est-ce, quel est le but de faire ça? Bad Mulch en tweetant. Ok, ça c'est marrant. Donc là, ouais, toxique, non éducatif. Mais bon, on a compris, pour toi, Wissam est un conservateur. Comme sa déesse Ouria. Donc là, c'est juste un homme de paille. J'ai jamais dit ça, d'accord? Je dis juste, c'est pas très efficace, c'est pas très constructif de ce genre de tweet. Ils sont obligés de faire des hommes de paille, les gens. Ils ont plus rien. Ils ont plus rien à répondre. Hein. Quelqu'un essaie de répondre. L'appropriation des luttes par des partis politiques qui peuvent en retirer toute substance à des fins politiciennes doit pousser les associations et les premiers concernés à ne pas laisser faire ce qu'ils veulent avec les luttes. L'histoire l'a démontré. Alors oui, quand des gens instrumentalisent une cause à des fins politiciennes sans honnêtement lutter contre l'oppression sur cette cause, il faut critiquer ça. Mais ce n'est pas le cas de la France insoumise. Donc c'est complètement hors sujet, cette take. Donc je lui demande, est-ce que LFI s'approprie l'antiracisme à des fins politiciennes? Je ne suis pas capable de voir le futur. Ben attends, donc tu penses que non, du coup, vu que si c'est le cas, ça sera un truc futur, donc ça n'est pas encore arrivé. Je lui ai dit, en l'occurrence, il n'y a pas de problème avec ce que dit Autain. Donc les critiques sont infondées. Il répond, sauf que des fois, il est trop tard pour critiquer et que le mal est fait. Mais surtout, ne détourne pas ce que je dis ou ce que dit Wissam, car personne n'a dit qu'elle ne doit pas en parler, mais la façon dont Autain le dit occulte le travail fait par des militants antiracistes. Alors, en quoi est-ce que ce qu'elle dit occulte le travail, genre? Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est quoi cette tendance à littéralement voir le mal partout, à être d'une toxicité sans borne avec la gauche? Genre, quel est le but de ces gens? Je comprends pas, les gens. Ça vient d'où? Ça vient d'où? En quoi est-ce qu'elle occulte quoi que ce soit? Bon, il y avait un autre... je pense qu'il y avait un autre truc. Quelqu'un d'autre avait tenté de me répondre... Mulch, toute personne racisée est légitime à anticiper l'absence de mesures antiracistes réelles de LFI, faut que tu entendes ça. Je m'en fiche totalement de l'identité des gens qui font les critiques, je m'intéresse aux critiques seulement. Donc, qu'une personne soit blanche ou non blanche, je prends les arguments des gens tels quels. Je me dis pas, ah, la personne est non blanche, du coup, laissons-la utiliser des mauvais arguments, être catastrophique, etc. Genre, je vais pas faire ça, désolé, non. D'ailleurs, ça serait assez paternaliste, voire raciste de ma part de prendre en compte ce genre de truc. Et anticiper l'absence de mesures. Non, ce n'est pas légitime d'anticiper une trahison de la France insoumise sans aucune preuve, en fait. Parce que sinon, ça donne quoi? Ça donne des gens qui, pendant la campagne de 2022, disaient LFI... et cringe sur l'antiracisme, ne porte pas cette lutte à la hauteur, c'est la gauche blanche, etc., etc. On en a reparlé il y a quelques jours. Et du coup, ça a pour impact qu'il y a plein de personnes qui ne votent pas pour la France insoumise parce qu'ils se disent « Ah bah non, moi je veux un truc réellement antiraciste, etc. » Donc soit ils vont voter pour, je sais pas moi, Poutou ou s'abstenir. Ce qui fait qu'on a au pouvoir la droite qui maintient le statu quo raciste. Faire des critiques infondées contre son camp, absurdes, au seul parti antiraciste qui peut gagner en France, c'est une action pro-statu quo. C'est une action qui nuit à la lutte antiraciste. Et je vais le critiquer, peu importe
quelle personne fait ce genre de propos, que ce soit une personne blanche ou non blanche, désolé. Oui, Anas Kazib, oui, on va parler du tweet de Kazib aussi, qui est un peu dans la même veine et catastrophique. Et je crois que le tweet de Kazib est d'ailleurs pire, mais bon. Attendez, j'essaie de voir, parce que je pense qu'il y avait une autre personne. Quand on est de bonne foi, c'est pas très compliqué à comprendre. Ce qui aurait dû être fait, c'est s'inscrire dans la continuité plutôt que de considérer que ça commence avec eux, qu'ils sont détenteurs des initiatives antiracistes. Genre, ils ont juste le seum. C'est juste du seum que Clémentine Autain propose une marche, quoi. Genre, c'est juste un seum. On sait pas d'où ça vient. Et le pire, c'est qu'elle parle littéralement. Elle dit, faut qu'on prenne exemple sur ce qui a été fait précédemment dans le mouvement antiraciste. Ce qui est particulier, hein. Ça nie la marche de 2017. Donc, parce qu'elle n'a pas parlé d'un événement précis dans le passé, elle nie l'existence de cet événement. Il faut constamment parler de tous les événements précédents dans l'histoire de l'antiracisme, sinon tu fais du négationnisme historique. C'est premier degré leur take, les gens. Qu'est-ce que je peux faire? Genre, je suis même pas en train de déformer, hein. Bon, voilà, j'ai pas capté. Il y a une sorte de pureté militante, là aussi, une sorte de « on a été les premiers à le dénoncer ». Ouais, c'est ça, en fait. Si vous dénoncez un problème dans la société et vous êtes parmi les premières personnes à en parler, à être public, etc., c'est une excellente chose. Et quand ensuite, des mouvements plus puissants, des partis plus puissants qui ont une chance de réellement accéder au pouvoir et changer les institutions, et etc., ils s'en saisissent et ils parlent, ils donnent les mêmes arguments que toi, ils font les mêmes... ils essayent d'organiser des trucs comme ça, etc. Pourquoi est-ce que t'aurais le seum de ça? Genre, je comprends pas. T'es pas censé être content? C'est à la fois, genre, Mélenchon et LFI sont un butin de guerre et il faut voter pour eux parce que c'est bien, etc. Et à la fois, quand ils essayent de faire des trucs, c'est la gauche blanche. Ils s'approprient la lutte alors que nous, on a démarré la lutte et tout. C'est super étrange. Faut pas prendre d'initiative, sinon on s'approprie, et si on attend, on est attentiste. Ouais, c'est ça. C'est les... Peu importe ce que fait LFI, ces gens critiquent, quoi. C'est ouf. Alors attendez, le tweet de Anas Kazib. On va regarder ça aussi. Où est-ce qu'il est? N'hésitez pas à me l'envoyer, les gens. Ah oui, il tweet énormément, Kazib. Ah, je crois que quelqu'un l'a mis dans Discord. Oui, voilà, on l'a. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Anas Kazib? Les amis, je suis scandalisé par ces images qu'on voit là, différents rassemblements devant les mairies de France avec un front républicain comme ils l'appellent. Voilà, ça va des militants de Reconquête, des députés RN, des adjoints au maire, des députés France Insoumise et autres, Europe Écologie, PC. Voilà, un front républicain anti-quartier populaire. Faut l'appeler comme ça parce que... Donc la France Insoumise et Reconquête... et l'extrême droite font un front républicain anti-quartier populaire, tous ensemble. Ça, c'est efficace comme propos. Ça, c'est vraiment utile. Merci, Anas Kazib. Que c'est ni plus ni moins qu'un front républicain anti-quartier populaire. C'est soi-disant sous couvert des mairies attaquées, mais la réalité, c'est uniquement l'expression et la démonstration de la capitulation de toute la gauche institutionnelle qui se range définitivement du côté du système, du côté du pouvoir, du côté de la répression contre les quartiers populaires. Parce que les amis, il y a eu 5 mois de lutte contre la réforme. Oh, d'accord, donc contre les quartiers populaires. Quels sont les arguments, Anas Kazib? J'attends les arguments. Des retraites, il y a eu des permanences de députés qui ont été attaqués, devant lesquels on va mettre du foin, etc., devant lesquels on va mettre des briques, on va murer, devant lesquels on a... Attends, j'ai pas suivi, il parle de quoi? LFI a fait quoi? Oui, c'est normal de pas pouvoir suivre ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est complètement taré et n'a aucun lien avec une quelconque réalité. Donc c'est normal, Théo. Du côté de la répression contre les quartiers populaires. Parce que les amis, il y a eu 5 mois de lutte contre la réforme des retraites.
Il y a eu des permanences de députés qui ont été attaqués, devant lesquels on va mettre du foin, etc., devant laquelle on va mettre des briques, on va murer, devant lesquelles on a acheté des poubelles, on a incendié des poubelles. Il y a eu des permanences, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites durant le mouvement des Gilets jaunes, des préfectures, la préfecture du Puy-en-Velay, il y a eu l'Arc de Triomphe. On n'a jamais vu ces fronts républicains devant des mairies. Quel front républicain? Il parle de LFI, pas juste du paysage politique en général. Qu'est-ce que vous racontez, les gens? Il vient de citer LFI, il vient de dire qu'il y a un front républicain de toute la classe politique contre les quartiers populaires. Et il a dit il y a Reconquête, il y a Le Pen, il y a les macronistes et il y a la France insoumise. Il vient de le dire. Attendez, c'est pas possible, les gens, vous avez pas entendu? Il y a des gens qui font l'autruche, c'est incroyable, hein. Bras dessus, bras dessous. Mais ça, c'est la définition que ça y est, la gauche a capitulé. Déjà, par rapport à 2005, on n'avait pas vu des tweets comme ils ont fait avec la mort de Naël, mais ils n'ont pas pu tenir plus que 5 jours. Là, aujourd'hui, ça y est, c'est définitif. Donc, il n'arrête pas de répéter en boucle, ils font le Front républicain contre les quartiers populaires, ils ont capitulé, ils ont abandonné la lutte et tout. Quelles sont les preuves? Quels sont les arguments? Ils s'appuient sur quoi pour affirmer tout ça? Allez savoir. Ils ont accepté de rentrer dans le rang. Mais c'est assez scandaleux ce qui est en train de se passer. C'est scandaleux en fait. Et c'est pour ça que les gens dans les quartiers populaires, ils supportent pas cette gauche institutionnelle qui ne fait que les trahir. Qui en... Mais en quoi ils ont trahi? De quoi ils parlent? À un moment, Anas, à un moment, il faut dire un fait en fait qui corrobore ce que tu es en train de dire, sinon tu perds toute crédibilité. En fait, n'est pas capable d'assumer jusqu'au bout. Ces gens qui revendiquent soi-disant le passé révolutionnaire de la France vont faire des marches jusqu'au Père-Lachaise en mémoire de la Commune de Paris. Ces gens qui revendiquent la Révolution française, qui revendiquent 68, la nuit des barricades et autres. Mais ils auraient fait quoi après la nuit des barricades? Ils auraient fait un rassemblement pour dénoncer. De quoi il parle? Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Les voitures qui ont été incendiées, les arbres qui ont été... J'ai juste l'impression de regarder quelqu'un parler d'un truc qu'on ne connaît pas. Mais c'est à lui de dire de quoi il parle, c'est incroyable, Fropizi! Me dis pas, Mulch, il faut que tu nous expliques sur quoi il se base pour fonder son avis. C'est à lui d'expliquer en fait, c'est à lui de dire sur quoi ça se repose, la trahison, LFI qui aurait trahi. Été découpés pour servir de barricades. Ces gens qui revendiquent la Révolution française, qui revendiquent 68, la nuit des barricades et autres. Mais ils auraient fait quoi après la nuit des barricades? Ils auraient fait un rassemblement pour dénoncer les voitures qui ont été incendiées, les arbres. Mais Anas, il veut que LFI fasse quoi exactement? C'est jamais précis, il y a rien, il y a aucune demande, c'est juste ce sont des traîtres. Qui ont été découpés pour servir de barricades dans les rues. Mais de quoi on parle? Pourquoi il n'y a pas eu de front devant l'Arc de Triomphe après le 1er décembre? Ils ne font ça que... Pourquoi il n'y a pas eu de front devant l'Arc de Triomphe? Attends, pour protéger l'Arc de Triomphe des Gilets jaunes, il est en train de dire qu'il y a un double standard, parce que LFI n'avait pas organisé un front pour protéger l'Arc de Triomphe de la casse des Gilets jaunes, mais actuellement ils sont en train d'organiser un front pour protéger les bâtiments de la casse des gens qui se révoltent. En quoi est-ce qu'ils organisent un front comme ça? De quoi ils parlent? De quoi ils sont en train de parler? Venez, on arrête d'écouter ça. Non, je suis désolé, les gens, il faut qu'on parle des agents de la CIA envoyés pour faire perdre la gauche en France. Parce que ce sont les quartiers populaires. Et c'est une nouvelle démonstration de la trahison de la gauche institutionnelle et de pourquoi les quartiers populaires ne pourront plus jamais voter et ne voteront plus jamais pour cette gauche institutionnelle qui finit. Voilà. Les quartiers populaires. Donc les quartiers populaires, je sais pas, par exemple, tu prends Saint-Denis, d'accord? 63% au premier tour pour LFI, si je me souviens bien. Je sais plus si c'était les législatives. Je crois que c'est les législatives, cette stat. Bref, les quartiers populaires votent massivement pour la France insoumise, mais bon, c'est pas grave. Donc ils ne voteront jamais, plus jamais ils voteront pour la gauche, etc. Donc c'est un agent de la CIA, les gens. Là, on a la parole directe
de la CIA. Ni par les trahir. Les amis. La gauche trahit toujours, etc. Donc vaut mieux avoir Macron ou Le Pen au pouvoir selon Anaskazi. Ben bravo. Vraiment, j'adore. C'est ce qu'il veut, que les quartiers populaires ne votent pas pour LFI. Oui, c'est exactement ce qu'il veut. Il veut que la gauche perde, c'est son objectif. Vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. Hein. Moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que Anas Kazib peut pas être basé tout le temps? Il fait plein de trucs basés, d'accord? Sur Twitter, il a souvent des propos qui dénoncent vraiment des vraies injustices, qui dénoncent des vrais problèmes. Parfois, il fait des interventions dans les médias qui sont très positives, etc. Je comprends pas pourquoi il y a ces pétages de câbles réguliers chez lui où juste on se dit « Tiens, aujourd'hui, on se réveille et on va tout faire pour que la gauche perde. » Sans aucune raison, sans prévenir. Il force, il avait fait une critique de la prise de parole de certaines composantes de la NUPES et qu'il préconise la vigilance, ok, mais là... Non, mais c'est les gens, c'est juste délirant. Reconquête veut maintenir les Arabes et les Noirs sous terre grâce à la police. La France Insoumise soutient qu'il faut refonder la police de la cave au grenier car elle est raciste et a refusé d'appeler au calme ceux qui refusent de subir. Le seul front que je vois ici, c'est le tien. Basé. Sabrina Oise, là, sur Twitter, basé, là, sur, pour le coup. Ouin, ouin, critique pas Anas Kazib, Mulch. Il n'a aucun impact, il n'a aucun impact réel. Un mec qui passe, qui passe régulièrement dans les médias mainstream, qui a environ 100 000 followers sur Twitter, dont la parole porte énormément, qui s'est présenté à l'élection présidentielle, etc. Critique surtout pas ses propos, ils n'ont aucun impact. Le chat a aussi décidé d'être catastrophique aujourd'hui, à ce que je vois. Quand tu dis la CIA, je pense à Asselineau. Est-ce que tu as des preuves, Mulch? Oui. Oui, j'ai les preuves, vous inquiétez pas. Il y a un article du Monde qui le démontre. Alors. Donc il y a... Ah oui, il faut qu'on regarde peut-être la vidéo de AstronoGeek. Ça, c'est quoi, ça? J'ai le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Depuis hier, plein de personnes critiquent le chef de l'État parce qu'il a fait un parallèle entre temps passé sur les jeux vidéo et foule exerçant une violence hors de toute proportion. Bah, laissez-moi vous dire que l'histoire lui donne raison. En deux clics, ça se contrôle, notamment sur le site de l'ISCOD, donc une grosse base de données qui recense tous les mouvements sociaux en Europe de la fin du XVIe siècle au début du XIXe. Près de 9000 en France, dont un gros tiers d'émeutes. Exemple plus concret, les massacres de septembre 1792 des foule qui perdent complètement la raison et qui vont massacrer des monarchistes, des prisonniers de droit commun, 1500 morts au total en quelques jours à peine. Les historiens sont unanimes, c'est Assassin's Creed Unity. Voilà, 1893, massacre d'ouvriers italiens à Aigues-Mortes, parce qu'ils avaient passé trop de temps sur GTA, c'est évident. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux... Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, c'est un prof d'histoire basé, je connais pas du tout ce mec. Yann tout court. Ok. Wagner, qu'est-ce que c'est? Hitler est-il vraiment mort en 1945? Tiens, ça, Ça m'interpelle. C'est quoi cette idée de Hitler qui survit à la Seconde Guerre mondiale? En fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore la soutenir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la retrouve dans la série Hunters, parce que cette série, elle se passe dans les années 70. La dernière volonté d'Hitler, c'était que ses fidèles carbonisent son corps pour qu'on ne puisse pas le retrouver et l'exposer, comme ça avait été le cas pour Mussolini. Attendez, quoi? C'est une vraie théorie, ce truc? C'est quoi, ça?
4 mai 45, les Soviétiques arrivent aux abords du bunker, récupèrent les restes qui avaient été enfouis quelques jours auparavant, et ils font une autopsie qui valide le fait que ces restes sont bien ceux d'Adolf Hitler. Simplement, ils ne permettront à aucun observateur extérieur de les analyser. Et en plus, tu sais qu'en 1960, on retrouve Eichmann en Argentine. Donc vraiment, années 60-70, ce type de discours, il est ultra répandu. Mais les choses ont changé en 2018, parce qu'une équipe de scientifiques, emmenée notamment par Philippe Charlier, a pu observer pour la première fois un morceau de crâne. A pu déterminer que la forme du crâne de Hitler correspondait bien à une race inférieure dégénérée. Et un morceau de mâchoire censé appartenir à Hitler. Alors, du morceau de crâne, ils n'ont pas pu tirer beaucoup de conclusions. Par contre, la mâchoire, ils l'ont étudiée. Faisons la phrénologie des fascistes. Sous toutes les coutures. D'abord, ils ont vu qu'autour des dents, on avait de la chair carbonisée, ce qui correspond à ce qu'on sait de la mort d'Hitler. Ils ont aussi observé des petites traces bleues sur le dessus des dents qui peuvent peut-être correspondre à l'utilisation du cyanure. Ils ont pu gratter du tartre sur les dents, ils l'ont analysé de manière très fine ensuite en France et ils se sont aperçus que dans ce tartre, il y avait piégé des fibres végétales, mais pas animales, ce qui correspond à ce qu'on... Honnêtement, ils auraient dû vendre sur eBay des particules hitlériennes. 10 grammes de tartre des dents d'Hitler, je suis sûr que tu peux vendre ça à des néo-nazis français. Regardez l'argent qu'ils ont, les nazis. Regardez la cagnotte pour le flic. Ils sont blindés, en fait, les nazis français. Il y avait un billet à se faire, hein. On sait du régime végétarien d'Hitler. Et surtout, on a toutes ces prothèses là autour des dents qui ont pu être... Vous savez qui se serait jeté dessus, vous le savez. Confronté au procès-verbal de l'interrogatoire mené par les Américains sur le dentiste personnel d'Hitler et surtout à ces radiographies du crâne et de la mâchoire d'Hitler qui ont été réalisées en septembre 1944 et tout correspond parfaitement. Ce genre de prothèse, ça nécessite un entretien régulier. Si Hitler avait survécu ne serait-ce que jusqu'en 47, 48, 49, il aurait fallu intervenir de nouveau sur ces prothèses et elles auraient été modifiées. Donc la conclusion du rapport est sans appel. La mâchoire appartient bien à Adolf Hitler et il est bien mort en 45. D'accord. Bah non, mais c'est bien, c'est bien de le préciser. Oh, merci beaucoup Libéric. Oh là 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 là, Libéric avec les 45 euros. Incroyable don, merci beaucoup. Faites des dons pour du contenu basé. Oh merci, merci, ça fait trop plaisir Libéric. Merci pour votre soutien les gens, vous êtes on fire ce mois-ci, ça fait trop plaisir. Ils en auraient fait des reliques comme ça dans les cathédrales. Non, mais c'est bien, au moins comme ça on est sûr, les gens. Vous savez que les fascistes sont capables de penser que Hitler est toujours vivant aujourd'hui et tout, donc ouais, il faut redémontrer ça. Je débarque et je découvre un scoop. Hitler serait mort? Pardon? Quelle est cette théorie du complot? Alors, vous voulez que je regarde Coluche? C'est court et basé. Ok, alors. On regarde ça. Coluche, ouais. Vous avez demandé à de nombreux amis de venir. Est-ce que Coluche, c'est la gauche blanche? Les gens, vous en pensez quoi? Waouh! Légendaire Coluche. En fait, on sent vraiment le côté neutre et apolitique de Coluche dans cette vidéo. Non, parce qu'écoutez, il dit vraiment... Moi, je suis pour une police. Bien sûr qu'il nous faut la police. Je suis pas anti-police par principe. Par contre, et là, il détaille tous les problèmes dans la police, quoi. Bien sûr, avec son style et son charisme et son talent. Mais ce qui est juste incroyable, c'est qu'en fait, on voit que rien n'a changé. Genre, lui, à l'époque déjà, donc c'était il y a 43 ans. Il appelle à des réformes, il appelle à ce que la police... Il dit que le problème de la police, c'est que il garde les gens qui font de la merde, ils sont couverts par la hiérarchie. Il dit que la police tue des Arabes. Enfin, il est juste neutre il y a 43 ans, quoi. C'est incroyable. Les propos de Coluche sur la police ne passeraient plus avec les droitards. Les policiers qui tuent, c'est pas nouveau, bien sûr que c'est pas nouveau. C'est même pire avant. Avec un ancien combattant nostalgique d'une bonne guerre, il gère aussi... Ah, ça, faudrait qu'on le regarde un jour aussi, ouais. Étonnant, personne ne demande 50 fois par minute, est-ce que vous condamnez les violences? C'est vrai que c'est pas le même climat, hein. C'est pas la même ambiance sur ce plateau.
ça veut dire que là, le mec en face... Après, c'est aussi parce que c'est Coluche, quoi. Donc, Coluche... Je sais pas si vous vous rendez compte de la popularité de Coluche au sein de la population en 1980, mais tu peux pas... En fait, si le journaliste commençait à dire « Est-ce que vous condamnez ?» blablabla et à cringe en face, il se fait immédiatement descendre par Coluche. Genre, il se fait moquer direct et il passe pour un gros débile, quoi. C'est Coluche, bordel. Qu'est-ce que tu vas faire face à Coluche ? On était dans un autre climat politique aussi. Ouais, il y avait des différences avec le climat politique. Il y avait des similarités sur certains trucs, mais il y avait aussi des trucs qui étaient... par certains aspects, il y a des trucs qui étaient mieux. La plupart des trucs étaient quand même pires qu'aujourd'hui, mais bon. Sa candidature n'était pas conséquentialiste. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Le syndicaliste policier qui s'est dégonflé pour venir... Ouais, c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Le roi de la punchline, ouais. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant de regarder ces extraits-là aujourd'hui. Hein. Bon, est-ce qu'on regarde le truc de AstronoGeek ? Je sais même pas ce qu'il va dire. Ça risque de pas être basé. Hein. J'ai envie de mettre cette casquette, je sais pas pourquoi j'ai envie. Allez, les gens, on regarde. Oh. Il vit en France, ce mec, ou pas? Ok, ok. Bon, je crois qu'on a compris l'intro. On peut passer à autre chose. Bah oui, il faut bien que je leur donne un petit os à ronger, hein. Ouh, regardez Astronogi qui flex une arme. Ah. Ah, mais mec, assume d'avoir des armes et de faire une intro comme ça. Pourquoi d'entrée de jeu, on projette son insécurité? Alors que personne l'a critiqué, genre « Oui, ils vont rager, ils vont faire ouin ouin, ils montrent des armes !» C'est super cringe. D'entrée de jeu, c'est giga cringe. Je connais pas AstronoGeek, les gens. Hein. Je regarde, je crois que j'ai vu genre peut-être un extrait de son contenu sur Twitter un jour. Ouais, l'auto-victimisation, quoi. Direct la pleurniche, la victimisation. C'est ouf. La fragilité. Faut bien que je leur donne un petit os à ronger, hein. Ouh, regardez AstronoGeek qui flex une arme. Parce que sinon ils ont aucun argument. Alors, bon bah. D'ailleurs, c'est plus. Mais flex ton arme, genre sois fier de flexer ton arme, qu'est-ce que tu fais? Plutôt une arme d'extrême gauche, ça, non? Il en pense quoi, mon ami Pierrot? Alors d'abord, si t'as cliqué sur la miniature de cette vidéo, t'as pas d'excuse pour pas savoir qu'il s'agit d'un énième drama. Pourquoi les gens de droite doivent toujours prendre ce ton d'enfant attardé? Je comprends pas le délire. Donc je veux pas te voir chouiner en commentaire. Quant à ceux qui attendent religieusement que vos youtubeurs favoris vous délivrent gratuitement du contenu de manière régulière, mais chouinent en commentaire en faisant du chantage au désabonnement le jour où les dix youtubeurs, qui sont des êtres humains, vous font part de leurs tourments... Il sait vraiment pas faire une vidéo, en fait, parce que il est en train de pré-shot un tas de critiques, de faire un tas de références à des trucs que, genre, personne sait de quoi tu parles avec ce youtubeur. En plus, il fait ça en... sans dire le nom, donc c'est vraiment genre le truc le plus lâche possible. Bah vous êtes des ingrats. Il vous suffit de pas cliquer et de regarder ailleurs. Et donc, puisque vous êtes toujours là, pourquoi suis-je en train d'entretenir une calache face caméra? D'abord, un peu de contexte. Ça ne vous aura pas échappé, les banlieues sont à feu et à sang. D'un côté, on a un gamin qui a pris une balle que rien ne justifie, et d'un autre, je suis pas persuadé que braquer des magasins de produits de luxe soit réellement un acte de protestation pour sa mort. Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, il avait qu'à obtempérer. D'accord. Personne n'a dit que aller voler des magasins de luxe, c'était un acte militant. Homme de paille d'entrée de jeu. Mais j'ai pas encore trouvé l'article du code pénal qui punit de mort le refus d'obtempérer. Et de toute façon, c'est pas le débat.
Si vous avez envie de vous écharper là-dessus, je vous renvoie vers la vidéo de Jordanix qui a un avis très intéressant sur le sujet. Notamment parce que... Moi, oui, dans le chat, bah tu es débile. Désolé de te l'apprendre. Contrairement à beaucoup de bas du front, eh ben, il est capable de faire preuve de nuance. Mais moi, c'est pas ma guerre. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que si les flics étaient réellement formés au maniement des armes à feu en situation de stress, ce genre de choses arriverait moins facilement. Vous pouvez parler de racisme. Si les flics étaient réellement armés, formés en maniement d'armes à feu en situation de stress, ça arriverait moins souvent. Attends, est-ce qu'il pense que c'est parce que le flic était stressé qu'il a tiré sur Naël ? Il pense que c'est ça la cause de la mort de Naël ? C'est parce que il savait pas bien comment réagir dans une situation de tension ? En fait, dans une situation de stress, il faut pas juste ouvrir le feu. Genre, c'est ça pour lui l'explication de ce qui s'est passé ? C'est incroyable, les gens. C'est incroyable. Situation de stress, tu contrôles un jeune de 17 ans en volant de sa voiture pour demander son permis. Il s'arrête, il obtempère, il refuse à ton... il obéit à tes ordres, etc. Et là, t'es dans un stress tel que là, tu sors ton arme et tu lui mets une balle dans la tête. C'est... Vous avez vu les gens, comment ils sont obligés de déformer la réalité ? Pour que leur narratif fonctionne, c'est incroyable, hein, l'extrême droite. Faut surtout donner des armes à des... Faut surtout éviter de donner des armes à des QI négatifs. Non, les gens, vous regardez, par exemple, les 1000 personnes tuées depuis les années 60 par la police française, les 1000 morts, ce sont des personnes très disproportionnément non blanches. Vous regardez les contrôles de police, quand t'es noir, t'as 20 fois plus de chances de te faire contrôler que quand t'es blanc. Qui prend les décisions de contrôler les gens ? La police. Toutes les statistiques, toutes les preuves qu'on a, toutes les données qu'on a, des études qu'on a fait, montrent que la police est raciste. La police applique la loi, applique son pouvoir d'une façon complètement raciste, qui dépend de la race perçue des gens qu'il contrôle, etc., etc. On a une montagne de preuves de ça. C'est ça qui explique... En partie, la mort de Naël, c'est pas le seul truc qui joue, évidemment. Il y a aussi la volonté d'être violent, la soif de sang de ces policiers. Je rappelle que dans la police, il y a du style 60 ou 70% de la police qui vote extrême droite. Hein. Mulch, tu vois bien que c'est le stress qui lui a fait dire « je vais te tirer une balle dans la tête ». Oui, c'est le stress, ouais. Bon. Arme à feu en situation de stress, ce genre de choses arriverait moins facilement. Donc non, en fait, tu peux former des policiers mieux. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi les formations actuelles. Mais même si tu les formais pendant 3 ans de plus, etc., sans prendre d'autres mesures, il y aurait toujours un nombre de personnes non blanches disproportionnées, tuées par la police. Il y a les gens, la loi de 2017 qui assouplit les règles pour ouvrir le feu en cas de refus d'obtempérer, etc. Pourquoi on parle de la formation ? Pourquoi on parle pas de cette loi, quoi ? C'est vraiment détourner l'attention sur un autre sujet pour pas régler les causes systémiques de tout ce qu'on est en train de vivre. Vous pouvez parler de racisme autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier que quelqu'un de suffisamment peu formé, dans une situation très évolutive, avec une arme à la main... Donc en gros, le concept de cette vidéo, ça va être que... Il profite de cette opportunité pour faire du contenu pro-arme à feu qui est mais sous couvert de genre je veux juste que les gens apprennent à manier les armes, c'est juste pour l'éducation, etc., etc. C'est juste ça en fait. Il se sert d'un drame, il se sert de la mort d'un jeune homme innocent, d'un ado innocent aux mains de la police. Pour faire cette propagande. À plus de choses. C'est assez dégueulasse, hein, même juste quand on réfléchit au concept même du truc. Chance de faire de la merde à cause d'un manque d'entraînement, plutôt qu'à cause du racisme. D'ailleurs, les Ricains ont fait l'expérience. Ils ont pris un activiste anti-violence policière, lui ont filé un airsoft et l'ont mis dans des situations fictives où il devait intervenir. Eh ben, devinez quoi ? Il a abattu un homme désarmé. Alors, pas en vrai, hein, bien sûr. Mais ça l'a beaucoup fait cogiter, et sa conclusion... I didn't understand.
Ouais, ok. Quel rapport avec la situation? Littéralement, un homme armé qui te fonce dessus de façon menaçante. Il est en train de dire, regardez, là, il ouvre le feu. Bah oui, en fait. Attendez, vous pensez que on n'est pas pour la légitime défense? Bien sûr que si un policier se fait littéralement attaquer avec quelqu'un qui vient, qui le menace, qui pourrait le tuer, etc. Bien sûr que le policier est légitime à se défendre, potentiellement avec son arme, bien sûr. Genre, personne n'est contre ça. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Bien sûr. Mais ça l'a beaucoup fait cogiter, et sa conclusion... I didn't understand how important compliance was, but after going through this, yeah, my attitude is... Contenu produit par Fox News, hein, ça va être très 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 neutre. Donc en fait, il reprend la propagande de droite américaine pour la rediffuser en France, ce que font tous les droitardés. Hein. Has changed. This is all unfolding in 10 to 15 seconds. People need to comply with the orders of law enforcement officers for their own sake. Pour leur propre sécurité, les gens doivent coopérer avec les forces de l'ordre quand elles leur disent de se tenir à carreau. Donc regardez, ça marche dans les deux sens. Vous vous souvenez de la vidéo d'hier avec les gens qui ont coopéré avec les forces de l'ordre et qui se sont fait juste tabasser gratuitement, sans aucune raison, alors qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont levé les mains? Michel Zecler, il a désobéi à la police ou il a complètement coopéré pour ensuite se faire démonter par un tabassage ultra violent et gratuit? Bref, les gens, c'est du pur mensonge. Avec les forces de l'ordre quand elles leur disent de se tenir à carreau. Donc regardez, ça marche dans les deux sens. Personne ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer. Sur le fond, bien sûr que tu dois coopérer avec la police, bien sûr. Mais le fait de parler juste de ça dans le moment actuel et de le présenter ainsi, t'es juste en train de renforcer la narrative de l'extrême droite qui justifie les violences policières. Naël était clairement une armoire à glace casquée qui fonçait sur la police. Ouais, c'est littéralement la même situation, aucune différence. Mais quand t'énerves un mec... Après, sur le fond, c'est vrai que le plus dangereux est le manque de formation des forces de l'ordre. Mais en fait, quel mouvement politique, quel bord politique propose de renforcer la formation des forces de l'ordre? Qui propose des meilleures formations, des standards plus exigeants pour recruter les forces de l'ordre, etc.? Attendez, allons voir le programme. Porter à 2 ans la formation des élèves gardiens de la paix, réviser son contenu et réouvrir les écoles nationales pour les activités de police. Du coup, en fait, c'est la gauche qui veut ça. On va voir s'il en parle de ça. Peut-être qu'il va en parler, hein. Où est-ce qu'on en est? Qui braque un flingue sur toi, faut pas être Einstein pour deviner que tu prends un gros risque. Et donc, quand t'énerves un mec qui braque un flingue sur toi, faut pas être Einstein pour deviner que tu prends un gros risque. Mais pour autant... Quand tu énerves quelqu'un qui braque un flingue sur toi, est-ce qu'on a une preuve quelconque que Naël a fait quelque chose pour énerver le policier? Genre, est-ce qu'on a une preuve de ça? Parce que c'est cool de commencer en parlant de Naël et ensuite de faire des généralités comme ça qui sont pas applicables à la situation. En fait, en faisant ça, tu sais très bien qu'une partie du public va faire le lien et va utiliser ça pour justifier la mort de Naël. Là, c'est pas un manque de formation qui a causé la mort de Naël, c'est un abus de pouvoir. Le gars n'avait aucune raison de le braquer, ce jeune. Il l'a fait parce qu'il était en position de force. Exactement, donc c'est juste, on dévie le sujet, on parle d'un autre truc. Personne ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer. En France, en moyenne, personne ne mérite de flingue sur toi, faut pas être Einstein pour deviner que tu prends un gros risque. Mais pour autant, personne ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer. En France, en... Ok, là-dessus, il a raison. Hein. À quel moment un flic, c'est juste un type en armes? Les flics, ils se prennent pour le Punisher, quoi. En moyenne, un flic tire ça par an pour l'entraînement sur une cible en carton fixe à 15 ou 25 mètres. Voilà. En moyenne, moi, je tire ça par mois, y compris sur cibles mobiles et ou qui apparaissent sans prévenir à des distances qui vont de 10 à 300 mètres.
Ça fait pas de moi un expert dans le maniement d'une arme en situation d'urgence, mais rien que là. Eh ben c'est triste de se dire que des gens qui peuvent être amenés à dégainer une arme sur la voie publique, autrement dit avec des civils autour, soient aussi peu formés en comparaison avec un random comme moi. Ok les gens, si c'est vrai que la police ne tire que ce nombre de fois là pendant leur entraînement, je suis d'accord avec lui, hein. C'est vrai, ok, bon bah alors je suis là, c'est une bonne take. Moi je suis d'accord, hein. Je suis d'accord qu'on veut des policiers mieux formés, notamment au maniement des armes, s'il y a un déficit là-dedans, je savais pas, mais... Il oublie de dire que les flics vont aussi dans les stands de tir, PS, oui c'est vrai. D'accord, ok, donc ça c'est juste ce qui est requis des policiers, mais ensuite ils peuvent s'entraîner plus s'ils veulent, d'accord. Ouais, je suis assez d'accord qu'il faut, demander plus de formation, ouais. Ouais. J'ai une amie flic. Oui, j'ai des amis flics. Plus précisément, ex-flic, qui avait une sainte horreur de son arme de service et qui osait à peine la provisionner au calme en début de journée. Donc imaginez qu'elle ait été amenée à la dégainer. Elle aurait risqué de pas avoir un mouvement très assuré avec cet objet potentiellement létal. Vous vouliez mon avis sur la situation actuelle ? La voilà. D'ailleurs, David, j'en ai un autre pour vous que j'ai déjà exprimé sur Twitter. J'ai vu passer cette vidéo. Ok, alors attendez. C'est... En fait, c'est pas vraiment ce que je pensais, cette vidéo. Je pense que j'ai peut-être été un peu rapide quand j'ai dit en fait il se sert de la mort de Naël pour faire de la propagande pro-arme. Peut-être que c'est pas vraiment ça. On va continuer, ok? On va continuer. C'est une remarque technique qui tourne depuis 2011, d'autant que les flics sont ultra représentés dans les clubs, ce qui n'est pas sans occasionner des affaires d'agression sexuelle. C'est sûr qu'on veut qu'ils visent mieux, mais aucun nombre d'heures dans un centre de tir n'aurait fait que Naël serait encore en vie. C'est ça le truc en fait, c'est... Il donne l'impression de passer à côté du sujet, même si après il fait une bonne take. Tu sors pas une arme si personne n'est en danger, c'est pas censé être un outil pour soumettre des gens. Je pense pas qu'il dit ça par contre, hein. Ça c'est quoi ça? Alors, après une analyse au doigt mouillé, notamment sur la forme courbe du chargeur et ce qui semble être le piston caractéristique d'une certaine plateforme russe anticapitaliste, je dirais que ce jeune en mal de repère utilise pour détruire une caméra de surveillance une Kalachnikov. La Kalach est chambrée dans plusieurs calibres, mais j'ai de bonnes raisons de penser que ce que ce monsieur tire, c'est ça. Ça, c'est du 7.62x39. C'est une munition qui embarque plus de 3500 joules d'énergie en sortie de canon. En comparaison, cette balle de 9 mm en embarque 7 fois moins. Je me permets aussi de faire une parenthèse sur le fait que ce débile profond a besoin de s'y reprendre à 10 fois pour toucher un objet de 30 cm à moins de 5 mètres de lui, pendant que dans mon club, des gosses de 10 ans touchent une pièce de 2 euros à 50 mètres. Même avec un nerf, je fais mieux. Ce jeune en manque de repères a donc, en pleine métropole, envoyé en direction des cieux 10 projectiles embarquant 3500 joules d'énergie. Alors, je compte aussi les projectiles qui ont potentiellement touché la caméra, parce que si un pare-balles n'arrête pas la 7.62, c'est pas une boîte en plastique qui va empêcher une pareille ogive de continuer sa course. J'ai déjà cassé une plaque de fonte d'un centimètre en tirant à la 7.62 dessus. Ces ogives sont... C'est bon, on a compris, tu utilises des armes quotidiennement, c'est bon, je crois qu'on a compris. Donc parti pour un vol parabolique de plusieurs kilomètres avant de retomber en ayant conservé assez d'énergie pour tuer. Mais retomber où? Mystère et boule de gomme cogne. Mais Lyon, c'est la qu'au clair de la lune. Non, le chat, préemptez pas la vidéo. Genre, attendez de voir des takes de merde pour les critiquer, s'il vous plaît. Juste, soyons stratégiques. Mon ami Pierrot va écumer les bars, donc il ferait mieux de lever les yeux au ciel et d'être un peu plus astronogique, au lieu de raconter des conneries. Récemment, dans une vidéo dont j'ai pas envie d'aller chercher la source, démerdez-vous, Tatiana Ventos a dit ceci. Le chaos est assez avancé à certains endroits, pour envisager désormais des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue. Alors pour le contexte complet, vous cherchez, vous êtes grand.
Comme je l'ai dit avant, le flic moyen a 50 cartouches sur cible fixe au stand à son compteur chaque année. Donc bon, je suis pas persuadé que les mettre dans la rue, de nuit, à 150 mètres de distance, au milieu de la fumée, des mortiers de feux d'art et de tout le stress qui va avec, sans formation appropriée, ne soit la solution. Par contre, il existe des groupes d'intervention qui, eux, ont une formation plus poussée et savent analyser une situation, tirer vite et toucher ce qui vise. Donc, attends, est-ce qu'il est en train de dire que si les flics étaient mieux entraînés, ils seraient d'accord avec Tatiana Venteuse qu'il faut autoriser la police à tirer à vue sur des manifestants à balles réelles? Et donc, forcément, donner des blessés graves? Non, c'est une question, les gens, c'est une question. Non, il dit pas ça, regarde la suite. Ok. Peut-être qu'il dit pas ça. Passion plus poussée et savent analyser une situation, tirer vite et toucher ce qui vise. Mais pour autant, est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Alors, de prime abord, oui, probablement. Je suis sûr que des tas de gens veulent en découdre et je sais très bien ce que je vais lire en commentaire. Moi, quand je vois ce genre de choses, je me dis que cet individu doit être neutralisé de quelque manière que ce soit. Et c'est... Attends. Moi, quand je vois ce genre de choses, je me dis que cet individu doit être neutralisé de quelque manière. Il serait pour que la police arrive et tire sur cette personne juste parce qu'elle est en train de tirer en l'air pour détruire une caméra. Regarde la suite. Que ce soit. Et c'est quand même un mec avec une putain de kalach dans la rue. Hein. Mais pour ceux qui souhaitent voir des échanges de tirs à balles réelles, on va refaire un poil de balistique niveau débutant. Je vous renvoie vers la vidéo de Paul Harel qui tire avec plusieurs calibres sur une bagnole si vous voulez voir à quel point les films racontent de la merde. Mais pour vous la faire bref, vous pensez être à l'abri chez vous si ça tire dans la rue? Mesdames et messieurs, je vous présente Caroline. Caroline est une cartouche de chevrotine et à l'instar de ses copines Micheline et Clitorine, Caroline est de la famille des calibres qui peuvent traverser un... Le mec a une calache, c'est quand même chaud. Ah mais bien sûr les gens, bien sûr. Non mais c'est... Il y a eu, je pense que c'est la deuxième vidéo que je vois de gens ces derniers jours qui tirent en l'air avec des armes de guerre, des kalachs. Je pense qu'on en a vu la dernière fois. Hein. Donc en vrai, et oui, en vrai, c'est flippant, c'est catastrophique, c'est complètement illégal, c'est extrêmement dangereux. Tout ça, c'est vrai. Hein. Parpaing. D'ailleurs, ses cousins Kevin... Comment tu vas arrêter un mec avec une arme de guerre en train de tirer et leur demander? Bah, en fait, s'il est en train de tirer sur une caméra, ça veut pas forcément dire que son intention, c'est de tuer des gens. Même si, oui, c'est vrai que techniquement, en tirant en l'air, la balle, elle retombe, c'est extrêmement dangereux, ça peut tuer des gens, il y a déjà eu des cas comme ça, donc oui. Donc lui, il serait pour juste arriver et la personne qui tire en l'air, l'abattre direct, quoi. On connaît pas ses intentions. Est-ce qu'on veut pas attendre que... Pff, ouais. Je sais pas, les gens. Attends, Faust, tu dis non? Bon, attendez, on continue la vidéo. Le 9x19 et Jean-Michel, le 45 ACP, traversent sans difficulté une cloison intérieure. Donc avant de souhaiter de voir des scènes de guérilla urbaine en bas de chez vous, rappelez-vous que ça peut venir vous cueillir dans votre salon, même si vous n'êtes pas un jeune en mal de repère en train de braquer une bijouterie parce que vos potes vous y ont invité sur Snap. Quant à ça peut venir buter votre chien dans votre jardin à 3 km de la version Wish de la commune de Paris d'où elle a été tirée pendant que vous matiez BFM TV. Donc oubliez les films où les mecs se mettent à couvert derrière une bagnole ou un mur, c'est pas réaliste. Une munition en plein vol, c'est plus dangereux que vous ne l'imaginez. Le seul truc que vous avez pour vous, c'est la probabilité raisonnablement faible de vous trouver, ou pas, sur sa trajectoire. Donc non, vous n'avez pas envie que les flics tirent à vue. Et j'ai même pas parlé des innocents qui peuvent se trouver dans la rue juste parce qu'ils fuient le bordel. Il a attendu un petit moment avant de avant d'être clair sur le truc. Mais du coup, ok, je suis d'accord avec lui. Il a raison. Bonne take. Et j'ai même pas parlé des innocents qui peuvent se trouver dans la rue juste parce qu'ils fuient le bordel. Imagine,
Tu descends précipitamment dans la rue pour protéger ta bagnole des cocktails parce que t'as encore 50 crédits dessus et pas d'assurance tout risque, et les flics tirent à vue. C'est moins drôle, là, tout de suite. Les armes, c'est rigolo, tant qu'on n'est pas du mauvais côté du canon. Et je souhaite... Ouais, il a attiré les droitards. Après, je... En fait, le truc, c'est que je connais pas du tout ses autres positions politiques. Est-ce qu'on a un PolitiWiki ? Attention. Ah ! Ta-da-da-da. Il dit être globalement en accord avec les idées de gauche et embrasser les idées selon lesquelles on est tous égaux et avons tous le droit au même respect, au même privilège ou que notre existence soit protégée. Donc on a un PolitiWiki, c'est stylé. Bien qu'initialement dans la sphère de la zététique, il remet en question l'utilité du terme. Oh, ouh. Il se considère pas zététicien mais sceptique. Attendez, il est juste basé en fait. il dit que l'esprit critique est un outil puissant qui permet de démontrer presque n'importe quel argument foireux en pointant du doigt les incohérences d'un discours. Ok. Il trouve anormal d'utiliser les outils de l'esprit critique pour démontrer qu'on a raison. What? On peut faire un sophisme et avoir raison quand même, on peut être au moins un peu incohérent et avoir un avis qui tient la route. C'est vrai. Et d'y admirer la Chine car on peut bouffer par terre tellement c'est propre, les gens sont polis. Bon, ça, on s'en fout un peu. Je suis pour un dirigeant fort qui sache ce qu'il veut, qui amène le pays d'un point A à un point B. Mais la démocratie ne permet pas ça. Le despotisme éclairé permet ça. Ah ! Ok, merde. Attendez, c'est quoi ça ? Mais moi, je suis pour un dirigeant fort qui sache ce qu'il veut et qui emmène le pays d'un point A à un point B. Mais la démocratie permet pas ça. Le despotisme éclairé permet ça. Mais comment ça, la démocratie permet pas ça ? De quoi il parle ? Récemment, il y a eu... On a tiré au sort des gens aléatoirement dans la population pour traiter du sujet du climat. Ils ont été informés par des experts, des gens qui connaissent le sujet. Et ensuite, démocratiquement, ils ont établi un programme de lutte contre le changement climatique qui était extrêmement clair, extrêmement ambitieux, extrêmement pragmatique, extrêmement basé. En fait, c'était la démocratie. Donc, d'ailleurs, c'était un programme beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus qui nous amène beaucoup plus d'un point A vers un point B meilleur que le point A que ce que fait Macron actuellement. Alors que Macron est un soi-disant despote éclairé, etc. Donc bon, soi-disant champion de la planète ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est un argument de merde. C'est un argument anti-démocratie. Oui, il y a eu le truc sur faire l'amour avec une personne qui dort. Bon, ça, c'était cringe de ouf. En référence à la cancel culture et au woke, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire sans se faire emmerder. Réel. Il souhaite distinguer les woke des woke toxiques pour cesser de stigmatiser les gens qui se revendiquent woke mais qui n'ont pas les méthodes extrémistes des gens qui nous pètent les couilles. Car il dit, au fond, c'est pas les idées de gauche qui nous dérangent. Attendez, les gens... Ça, c'est même pas faux, techniquement. Hein. Astronogeek crée une chaîne secondaire. Tu fais avoir le port d'armes pour les civils, mais des civils qui sont formés pour ça. Ah non, ça, c'est une très mauvaise tech. Potentiellement, les gens responsables, je suis pas contre. Donc, il est pro-port d'armes. Non, ça, c'est catastrophique. Pro-port d'armes, en France, c'est une très, très, très mauvaise idée. Nombre de morts armes à feu par pays. Est-ce qu'on peut juste revoir les stats globales là-dessus? Violence par arme à feu. Je veux un truc avec tous les pays. Homicide par arme à feu. Regardez un petit peu les données qu'on a là-dessus.
Homicide par 100 000 habitants. Donc là, vous avez des pays qui n'autorisent pas le port d'armes, comme la France, qui sont là, voilà. La Pologne, l'Australie. Vous avez l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même beaucoup plus élevé que la France, hein, le taux d'homicide. Etc, etc. Et ah, on arrive sur le pays qui l'autorise. Oups. Oups. Littéralement, 3 homicides par 100 000 habitants, alors que la France, c'est un truc du style 0,05. Donc ça serait, attendez, 60 fois plus. Non. Ouais, environ ça, non? On voit le lien dans le chat, ouais. Donc c'est une très mauvaise idée, les gens. Autoriser le port d'armes, forcément, ça conduit à plus de morts, ça conduit à plus de violence. Même si on régule fortement les armes, même si, etc., etc., non. Désolé, non, c'est une très mauvaise idée. Ok, donc bon, on n'a pas d'autres positions politiques sur le PolitiWiki. Donc visiblement, je suis d'accord avec lui sur certains trucs. Et j'ai des énormes désaccords, notamment sur la démocratie. C'est quand même très, très autoritaire, très antidémocratie ce qu'il a dit. Et pour le port d'armes, je suis totalement en désaccord, ouais. Ok, 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 bon, on va continuer la vidéo. Les armes, c'est rigolo. Tant qu'on n'est pas du mauvais côté du canon. Et je souhaite pas d'échange de tirs dans la rue parce que j'ai pas le luxe de vivre derrière un blindage. J'espère aussi... Après, peut-être qu'il a changé d'avis, hein. Peut-être que sa position sur PolitiWiki n'est plus la sienne, hein. Je sais pas. ...que dans une situation électrique comme celle qu'on a actuellement, personne n'aura l'idée de se défendre à coup de 12. Sinon, vous pouvez être sûr que mon ami Pierrot va s'empresser de meugler à l'attentat fasciste et l'Assemblée va nous sortir une énième loi populiste débile et inadaptée restreignant les armes. Sérieusement, toi là, toi qui te dis que t'aurais envie de faire justice à coup de 12, demande-toi si estropier un petit con vaut le coup de finir interdit d'armes à feu en faisant passer les tireurs pour... Un peu paradoxal par rapport à ce qu'il dit avant, bah c'est vrai que dans cette vidéo qui est plus récente que le truc où il... Non mais attendez, il est incohérent avec lui-même dans cette vidéo parce que là il vient de dire... Il vient de dénoncer l'Assemblée qui fait des lois populistes pour restreindre le port d'armes. Mais il vient dire juste avant qu'on veut pas que des gens puissent tirer dans la rue, etc. C'est super dangereux. C'est un petit peu contradictoire, non? Pour des fachos et en pénalisant tous les autres détenteurs de manière durable. Tous ceux qui ont dû récemment détruire leurs armes historiques de catégorie A. Attends, Mulch, le PolitiWiki ne serait pas une manière de ficher les gens de manière injuste? Attendez, on nous aurait menti? Ouais, je sais pas, non, ça pourrait être utile de temps en temps, je sais pas. Faites ce que vous voulez, hein, la gauche. A11 ou encore en travers de la gorge. Voilà. Mon ami Pierrot voulait mon avis. Maintenant, il l'a. Et maintenant qu'il l'a, on va parler un petit peu de harcèlement et de diffamation. Ouais, c'est pour ça, en fait, que je fais cette vidéo, à la base. Flex une calache, c'est juste pour te casser les couilles. Il y a 3 ans, Usul me traitait de facho parce que j'ai littéralement eu le malheur de dire qu'un peu de discipline, ça fait pas de mal. Alors, non, hein, il m'a pas traité de facho. Ça, c'est leur excuse habituelle aux gens de cette espèce. Ils te le sous-entendent tellement fort qu'un sourd les entendrait, mais ils le disent pas littéralement, donc... Après, mec, t'as dit que tu voulais un homme fort pour nous amener d'un point A vers un point B et que la démocratie pouvait pas faire ça, donc ça, c'est clairement autoritaire, oui. Donc à moins qu'il ait changé d'avis sur ça, et c'est pas impossible, hein, leur reprocher des anciennes positions qui n'ont plus, mais à moins qu'il ait changé d'avis là-dessus, il coche déjà une des cases d'être un fasciste, oui. Donc, ils sont perchés. Alors qui que vous soyez, n'imaginez surtout pas que ça vous protège de la diffamation aux yeux de la loi. Hein. Les juges sont assez intelligents. Détail, autoritaire n'est pas fasciste. J'ai dit c'est une des composantes du fascisme. Surtout pas que ça vous protège de la diffamation aux yeux de la loi. Hein. Relisez Umberto Eco. Oh non, 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 faut pas que je devienne cette personne. Non, 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 faut pas que je fasse ça. À partir de maintenant, la vidéo, c'est une pure disaster class. Attendez, les gens, me préchotez pas le truc. No spoil. Alors, qui que vous soyez, n'imaginez surtout pas que ça vous protège de la diffamation aux yeux de la loi. Hein. Les juges sont assez intelligents pour comprendre le sens profond d'un propos et ne pas se laisser berner par un sarcasme.
pas la peine non plus d'essayer d'avoir la malhonnêteté intellectuelle de dire que le message était inverse ou humoristique, ça prend pas. Et donc, depuis 3 ans, sans discontinuer, je me fais traiter de facho. Rappelez-vous, il y a quelques temps maintenant, j'avais fait avec vous en vidéo l'expérience de chercher mon blaze sur Twitter. J'ai refait l'expérience ce matin. Regardez tout ce que j'ai trouvé, simplement en remontant sur un mois. D'ailleurs, j'ai eu droit à un pseudo-thread de l'autre, okay. Bon, je vais plus rien dire, faut... Jamais participé à attaquer les gens sur leur vie privée réelle supposée. Ah ouais, le Bouzeux Magazine. Attendez, c'est quoi ces trucs? Se rendre à l'évidence, ses parents ont jeté le bébé et élevé le placenta à la place, hein. Autrement c'est pas possible. Et donc, ce matin, j'ai eu l'agréable surprise de voir que ce cher Usul remettait une pièce dans la machine. Quoi? Non! Attends, ça a aucun sens ce qu'il vient de dire. Il parlait de des gens qui l'accusaient lui d'être un fasciste, et là il dit Usul remet une pièce dans la machine, sauf qu'Usul est en train de traiter Tatiana Ventos de fasciste. Ce qu'elle est, évidemment, donc Usul a raison. En quoi il remet... Il va dire Usul dit que Ventos est une fasciste, et donc quand il dit que moi je suis un fasciste, il a tort. C'est un sophisme. C'est dingue le nombre de gens de la sphère sceptique slash zététique qui font des sophismes H24 quand même, c'est fou quoi. Appliquez vos propres recettes, non? Je sais pas. Regarde le tweet en dessous. Oui, il parle de... Il dit, est-ce que Astrologique a dit des trucs? Il est pas en train de dire qu'Astrologique est un fasciste, en tout cas pas sur ce tweet. Ah oui, au fait, donc, les blagues sur les flingues, c'est autorisé que si on est de gauche, c'est ça? Les blagues sur... Attends, qui a interdit les blagues sur les flingues? What? Alors vous allez me dire, mais non, t'es parano, il fait que demander si tu t'es exprimé sur le sujet. Ouais, alors, sauf que non, hein, je suis pas dupe. En aucun cas, ces publications des dernières années me concernant ne permettent de privilégier cette hypothèse. À chaque fois qu'il parlait de moi, c'était pour me balancer un taquet. Vu le tweet juste au-dessus, eh ben ça, c'est aussi un taquet qui m'est adressé. Non? Attends, quoi? Non, du coup. Attends, là, c'est lui qui projette de ouf sur ce qu'a dit Usul. Genre, c'est lui qui rajoute des sens qui ne sont pas du tout présents dans les tweets. Ça va, Astronogeek? Sauf que je lui ai rien fait, moi, Usul. Je me contente d'ignorer purement et simplement son existence. Mais bon, faut croire qu'il n'y a plus que le drama pour exister aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Faire preuve d'un quelconque talent ne paye plus. Ouais, ok, bon, ça, c'est de la merde. Tout le monde, absolument tout le monde, fait ce que les gens appellent du drama. C'est littéralement, genre, le contenu de tout le monde. Audience suspendue et salle évacuée du tribunal de Lyon. Attends, on parlera de ça après. Attendez, on va jusqu'à la fin, ok? Je comprends pas trop le délire, là. D'envoyer des fions aux autres. Sauf que voilà, Usul n'est pas quelqu'un prenant l'esprit critique ou le recul. Usul, c'est un mec qui distille un discours politique fortement marqué. Et ça, eh ben ça a une conséquence sur l'audience. Ça la polarise. Et quand on nourrit toute l'année la haine des gens à coups de sentiments d'injustice et de lutte des classes, eh ben le jour où on parle de quelqu'un en disant, sans le dire, qu'il est dans le camp des méchants, eh ben on a toute une corde de petits chiens-chiens à leur même être à penser qui s'empressent d'aller insulter et diffamer. Non, il a juste demandé est-ce que t'avais déclaré des trucs. Et ensuite, les gens, des gens qui sont peut-être dans ses followers, qui ne le sont peut-être pas, enfin des gens sur Twitter, qui t'aiment pas, ont parlé de toi en négatif en dessous de ça. Mais attends, je comprends pas, genre là, il mélange plein de trucs. Ouais, ouais, je connais le Bouzeux Magazine. J'ai découvert récemment. Il compare un mème avec un flingue, à savoir à avoir un flingue dans la réalité. Moi, je pense même pas que dans le truc d'Usul... Ah, vous pensez... Ah, vous pensez que parce qu'il y a un flingue dans ce mème, il a parlé d'Astronogeek. C'est possible, ouais. Moi, c'est pas comme ça que je l'avais interprété initialement. Je pensais qu'il est juste curieux. Mais ouais, c'est ça serait logique. Ça serait logique. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la haine des gens à coup... Crois un cul, tu dis non, pas du tout. Après, on sait pas, genre là, il faudrait demander à Usul, est-ce qu'il y a un lien, mais enfin, même s'il y a un lien, qu'est-ce qu'on s'en fout, je comprends pas, genre, c'est quoi le sujet?
J'ai vraiment l'impression qu'on essaye de dévier le débat sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Moi, j'aimerais bien parler avec AstronoGeek de sa position sur la démocratie, sur l'autoritarisme, etc. Ça pourrait être intéressant. J'aimerais aussi lui demander s'il pense qu'il y a du racisme, s'il y a du racisme dans la police. Et est-ce que ça a contribué au fait que des personnes non blanches sont disproportionnément mortes aux mains de la police depuis dans les stats qu'on a depuis les années 60. De sentiments d'injustice et de lutte des classes, eh ben le jour où on parle de quelqu'un en disant leur même être à penser, qui s'empresse d'aller insulter et diffamer. Regardez, c'est succulent ça à lire le matin au réveil. Un qui s'est un peu renseigné avant de dire n'importe quoi. Et au moment où j'écris ces lignes, c'est le seul. Mais globalement, ça fait très plaisir de lire des choses comme ça. Alors vous allez me dire qu'il me suffirait de pas lire. Sauf que non. Pour plusieurs raisons. D'abord, petit proverbe sceptique pour vous. La réalité, c'est ce qui continue d'exister, même quand on n'y croit pas ou qu'on refuse de la voir. Ensuite, l'impact de ces vagues de haine est bien réel. Les derniers mois, je pourrais vous citer trois grandes entreprises et organismes avec lesquels je souhaitais faire des vidéos, qui au demeurant vous auraient plu, mais qui ont refusé de manière un peu gênée tout en avouant que ma réputation de facho sur les réseaux sociaux leur posait problème. Parce que dès que ces organismes parlent... En même temps, t'as dit que la démocratie n'était pas efficace, il fallait un despote éclairé. Genre, oui, c'est normal qu'il y a des gens qui vont déduire de ça, vu que c'est une des composantes, vu que c'est une take pro-autoritarisme, et que, donc l'autoritarisme, c'est une des composantes du fascisme. Oui, tu ne contribues pas à ce que les gens ne pensent pas que t'es un fasciste. En ayant cette position politique. Je parle de YouTube sur les réseaux sociaux, quelqu'un me cite en leur... Après, je suis d'accord que les gens devraient... Pour être vraiment genre pinailleur et technique et tout, oui, les gens devraient attendre d'avoir d'autres positions politiques avant de dire littéralement fasciste. Il y a des gens qui sont juste autoritaires, pro-dictature, mais ce serait pas techniquement du fascisme. Par exemple, pour que ce soit du fascisme, il faudrait du racisme ou en tout cas blâmer un grand nombre de problèmes sur une minorité, sur un bouc émissaire, par exemple, les Arabes, les Juifs, le lobby LGBT, hein, ça c'est une des composantes. Et il y a d'autres éléments aussi, hein. Mais bon, je connais pas ses positions sur ces sujets. Pour l'instant, en tout cas, il y a c'est pas impossible que ça soit un fasciste. En disant de faire une vidéo avec moi. Et dans la foulée, des gauchias à l'affût de la moindre pub me concernant se hâtent de leur dire de surtout pas bosser avec un facho. Je ne donnerai pas de nom et je ne mettrai pas de screen spécifique à ces situations parce que je travaille à, justement, leur faire comprendre que l'avis de quelques anencéphales n'est pas représentatif d'Internet. Alors, je ne vais pas prendre le risque de l'effet inverse pour que des gens aillent les traiter de censeurs woke ou de gauchias parce qu'ils ont été frileux à mon encontre. Moi, mon but, c'est de travailler avec eux, et si je les cite publiquement, ça va juste me compliquer la tâche, donc pas la peine de demander des noms. Il dit gauchias. Ouais. Moi, j'aime bien me baser sur les positions politiques des gens, pas sur genre des trucs un peu esthétiques comme ça. Mais c'est vrai que la grosse majorité des gens qui disent gauchias, c'est les fascistes, ouais. Mulch pro-dictature égale un mec décide pour tout le monde, je vois pas comment tu peux être pro-dictature et pas facho. Alors on va dire que 90% ou 95% des gens pro-dictature sont fascistes, ouais. Donc c'est quand même un élément qui est fortement corrélé, ouais. Il traite les gens de gauchias, mais il sort, j'ai envie de bosser avec eux après, donc je dis rien. Que doivent penser les gens qui bossent avec lui en ce moment? Il a fait une vidéo avec Code Reno, un vrai fasciste. Ah, alors attendez. C'est dans PolitiWiki ça ou pas? Ça, faut le mettre dans PolitiWiki. C'est quoi la vidéo avec Code Reno? Attendez, du coup, ma curiosité est titillée sur AstronoGeek. AstronoGeek, Code Reno. Est-ce qu'on peut voir la vidéo?
T'es trop gentil avec les pro-dictatures. Ah non, j'ai dit qu'il était pro-dictature. J'ai dit qu'il a une take pro-dictature et qu'il était un autoritaire. Je pourrais pas affirmer à 100% qu'Astronogeek est facho, mais mon détecteur bayésien de facho clignote quand même pas mal. J'accumule ces déclarations. En quoi je suis trop gentil, les gens? Je pense pas, hein. En fait, c'est pas une question d'être gentil ou de méchant, c'est une question de qualifier politiquement ce qu'il défend, ce qu'il veut. Mais je vais revenir sur Nael, etc. à la fin de la vidéo quand on aura tout entendu. Juste là, je fais une petite parenthèse. On n'a pas la vidéo avec Code Reno sous la main, les gens? Quelqu'un a un lien de ça ou pas? Envoyez-moi un lien, les gens, j'ai vraiment envie de voir. Droit de réponse à Astronogeek. Quoi ça? C'est Thierry? Ah! Oh yeah! Code Reno était modérateur sur la chaîne YouTube d'Astronogeek, ok. Oh yeah! Il y aurait même des centaines. Roll out the barrel! D'armes blanches à la maison, je dirais même des centaines de kilos d'armes blanches, des épées anciennes, des armures, des machins, mais on les traite pas de fachos. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui risque de faire polémique. J'adore Naïves Expert, les gens. À la suite de l'interview d'Astronogeek chez Zioclo au sujet des armes à feu. Et aussi du fait qu'on qualifie régulièrement Astronogeek de facho sur les réseaux sociaux. Alors, en préambule, je tiens à rappeler, comme je l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans sur Astronogeek, que je fais une différence entre le personnage qu'a créé Arnaud Thierry et Astronogeek. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est d'Astronogeek, du personnage. Attendez, on a la vidéo. Le Spaz 12, arme de merde légendaire, fit Astronogeek. Attendez, Code Reno. Là, les gens, on essaye de vraiment d'être solide sur ce qu'on est en train de dire dans ce stream, d'accord? Détailler nos propos. Donc, on va vraiment aller rechercher les trucs à la source. On n'a pas de PolitiWiki pour Code Reno. Mais on est d'accord qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Code Reno est un fasciste, ouais. Je veux dire, il a littéralement fait... la vidéo avec Papacito, où ils font un tuto, évidemment second degré, évidemment, sur comment tuer un gauchiste en mettant un mannequin avec un t-shirt La France Insoumise en tirant dessus. Il y a aucun doute, on est d'accord. Ok, alors. Alors, un fusil sniper Kalachnikov. Qu'est-ce qui va pas avec cette arme? Il y a aussi tous ses propos sur sa chaîne où il joue le communiste. Et vraiment, les gens, n'hésitez pas à les mettre sur PolitiWiki parce que... Il nous faut un truc sourcé sur toutes ces choses-là, quoi. School shooter vibes de ouf, oui. Louise, si on vous interroge, vous n'avez pas acheté ici. Vous n'êtes pas un serial killer. Waouh, la taille de ce silencieux, attendez, c'est ouf. On est d'accord, le silencieux, il démarre ici, il va jusqu'à là, genre il fait la même taille que l'arme, pratiquement. Putain, c'est quoi cette armurerie? Bonjour, j'aimerais un petit renseignement, s'il vous plaît. Ouais, bonjour, je suis à vous tout de suite. Bon, ok, c'est long. Bon, en gros, on va pas regarder ce truc, mais c'est une collaboration, donc il collabore avec Code Reno, au calme, avec un fasciste, ils ont l'air d'être potes, quoi. Suppresseur avec un cache-flamme. Ah, c'est ça, c'est un cache-flamme. C'est un télescope pour fisser la lune. Bon, ok, les gens, bon. Alors, on continue vite fait le truc pas de Thierry. Lui, je ne le connais pas personnellement. Il m'est donc impossible d'émettre un jugement à son égard. Je le rappelle, hein, Iron Man, ce n'est pas Robert Downey Jr.
tu vois, on fait chier pour les armes à feu parce que c'est fait pour tuer, mais les autres armes faites pour tuer, on ne fait pas chier avec, quoi. Si je disais je fais du tir à l'arc, on m'emmerderait pas. Parce que c'est naturel. Mais qui te fait chier pour les armes à feu? Genre, ils l'inventent des gens, non? Regarde, les reconstituteurs qui ont des kilos d'armes blanches à la maison, je dirais même des centaines de kilos d'armes blanches, des épées anciennes, des armures, des machins, mais on les traite pas de fachos. Et alors vous allez me dire, oui, mais les attentats, c'est fait avec des armes à feu. Mais c'est pas mon problème, les attentats, c'est fait avec... Vous avez pas l'impression que c'est un énorme homme de paille en mode, regardez, on me traite de fachos parce que j'ai des armes à feu? Alors que les arguments des gens qui traitent de fachos, ça doit être sur genre ses propos politiques. Encore une fois, moi, les gens, s'ils détiennent légalement des armes à feu, ils vont au stand de tir, ils les utilisent, il n'y a aucun problème. C'est pas un problème, ça, d'accord? Ce qui compte, c'est les idées politiques que vous diffusez avec votre contenu. Et là, c'est là où moi, je peux vous qualifier politiquement d'autoritaire, de fasciste, de socialiste, de capitaliste, de tous ces qualificatifs politiques, quoi. C'est en observant l'idéologie politique. C'est 100% ça, oui, il est très mauvaise foi. J'ai l'impression, hein. Tu vas pas dire que tous les conducteurs sont des fachos. Ah, le problème, c'est le fascisme, toujours le fascisme. Mais après, c'est une sorte de fausse question. Mais alors, du coup, on parle d'armes. Les armes, ouais. Et toi, ça commence quand? Quand est-ce que t'as un pétard dans les mains et quand est-ce que t'as cette passion? Alors, la comparaison avec le javelot et l'arc, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être... Moi, je trouve que c'est un problème que n'importe quel gus puisse avoir des armes. Alors, actuellement, en France, c'est pas n'importe quel gus peut avoir des armes. Non, non, non. C'est très fortement réglementé et assez peu de gens ont des armes légalement, quoi. Les armes à feu. Baniser les armes à feu, c'est pas une bonne idée. Je le critiquerai aussi sur ça. Banaliser les armes à feu. Je sais pas, moi je sais pas si c'est stratégique d'ouvrir là-dessus par rapport à une critique politique. Pour le coup, au fil des années, j'ai l'impression que oui, on lui reproche beaucoup son goût pour les armes et pour le tir. Bon, ok, j'en sais rien, les gens, je connais pas. Très fut-fut hein, pour comprendre la différence. Un arc, c'est difficile à dissimuler, c'est long à charger, c'est moins précis, et un javelot, je pense que j'ai une petite chance de le voir venir, alors qu'éviter une balle ou une rafale de chevrotine, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je ne suis pas aussi souple que Néo. Bref, pas besoin d'être un expert en balistique pour comprendre la différence et pourquoi on n'utilise pas de javelot ou d'arc sur les champs de bataille. Mais du coup, Thierry va parler du truc des armes à feu? Ça me paraît quand même un petit peu hasard. Ouais, donc c'est une vidéo vraiment sur les armes à feu, en fait. C'est pas forcément le truc le plus pertinent... Vis-à-vis de ce stream, les armes à feu, les homicides, astronomiques, code Reno, tous les fachos. Ah, attendez, on va regarder cette partie-là. Alors, point sensible. Oui, Néo, il parlait de toi, oui. Bon, alors, concernant code Reno, hein, je ne reviendrai pas dessus. Hein. C'est quand il a commencé à vanter le un peu de discipline comme en Chine pour la France que ça a commencé à parler de lui comme un faf, jamais pour les flingues en soi. Donc c'est cette take sur la dictature, le despote éclairé là, c'est ça? Il admire la Chine parce que les gens sont polis, il y a zéro délinquance. Je suis pas pour la dictature, autant je trouve que le résultat, un minimum de discipline, ça fait pas de mal. Moi je suis pour un dirigeant fort, qu'il sache ce qu'il veut, qui amène le pays d'un point A à un point B, mais la démocratie ne permet pas ça. Le despotisme éclairé permet ça. Ok, c'est pas la phrase « un minimum de discipline, ça fait pas de mal », il n'y a aucun problème avec ce propos-là. Sur la Chine, j'en sais rien, faudrait que je vois des données pour dire si c'est vrai ou c'est faux ce qu'il est en train de dire. Par contre, il y a un énorme problème avec le propos « je suis pour un dirigeant fort, la démocratie ne permet pas d'amener un pays d'un point A vers un point B, le despotisme éclairé permet ça ». C'est ça le truc problématique en fait. Après, connaissant les gens qui se disent de gauche sur Internet actuellement, je suis sûr qu'il y a un tas de personnes qui ont très très mal critiqué AstronoGeek
Ce qui lui a sans doute donné des portes de sortie pour faire des hommes de paille qui en fait n'étaient pas vraiment des hommes de paille puisqu'il y a vraiment des gens bêtes qui ont sans doute mal argumenté contre ce qu'il disait. Ça reste une opinion. Oui, c'est une opinion pro-autoritarisme. Oui, ça reste une opinion. C'est une opinion pro-autoritarisme. J'ai le droit. Attendez, les gens, vous n'allez pas être contre ma liberté d'expression quand même. On a la liberté d'expression dans un pays libre. Vous n'allez pas m'empêcher de qualifier ce propos d'un propos pro-autoritarisme. Qui est une des composantes du fascisme. Ok, bon, est-ce qu'on reviendrait pas sur la vidéo initiale? On a déjà passé trop de temps sur ce contenu. C'était où? Ah, c'est ça. Non, comme des petites publiquement, ça va juste me compliquer la tâche. Donc, pas la peine de demander des noms comme des petits inquisiteurs. Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, j'en ai un peu ras la casquette de me faire traiter de facho quotidiennement. Et bien évidemment, je passe les commentaires YouTube qui se font modérer chez moi, mais qui se retrouvent régulièrement sous les vidéos des collègues qui ont le malheur de parler de... Donc le mec est littéralement pote avec Code Reno, un fasciste. Le mec dit qu'il est pour un despote éclairé. Et quand il parle de l'affaire Naël, il dit en fait la police doit avoir... doit être mieux formée, ce qui est vrai. Et il dit que la police devrait pouvoir tirer sur la personne en train de tirer sur une caméra parce que c'est dangereux. Moi, si j'accorde à Usul le bénéfice du doute, en supposant, mais bon, sans trop y croire, qu'il a juste demandé ce que j'avais à dire sur le sujet, ben voilà, tu sais maintenant, Usul, ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais s'il te plaît, rappelle tes chiens, parce que les jappements incessants un peu partout en ligne dès que je bouge un orteil, ça commence à me courir sur le haricot. D'ailleurs, profites-en aussi pour soigner ton... Ouin ouin, les gens me critiquent sur Internet alors que je fais du contenu public hautement critiquable. C'est ok. Second degré, parce que si t'en fais, manifestement, les gens comprennent pas. Par contre, si comme je le pense, ceci n'est qu'un énième fion totalement gratuit à mon encontre, je n'aurai qu'une seule chose à y répondre. Fut un temps, j'ai envisagé de faire une série de vidéos où j'invite mes détracteurs les plus virulents à m'accompagner au stand de tir pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est ni facho, ni dangereux, et même carrément cool. Je ne compte plus le nombre de gens très frileux que j'ai emmenés avec moi et qui sont ressortis de là, non sans envisager de prendre une licence, parce qu'ils ont trouvé ça franchement fun. Sauf qu'entre-temps, je me suis rendu compte d'une chose. Oui, c'est fun, ça c'est pas faux. C'est que je pourrais pas faire une telle série de vidéos pour une raison très prosaïque. La plupart des gens qui me traitent de facho parce que j'ai une collection... C'est pas le sujet. En fait, ouais, donc toute sa strate, en fait, c'est de faire un homme de paille et de toujours parler. Quand il parle, quand il répond à des gens qui le critiquent, il va à chaque fois répondre sous l'angle de « Ouin, ouin, on dit que les armes à feu, c'est un truc intrinsèquement fasciste. » Il va pas adresser les critiques un peu plus intelligentes que ça, quoi. Ouais. La polémique autour de l'astronogique a commencé avec sa désastreuse expérience sociale, c'était en 2020. Attendez, c'est quoi ça? Il me faut les data là-dessus. Astronogique, expérience sociale. Il présente ses excuses publiques. Ah non, il s'est excusé pour ça? Ah, c'est le truc... Attendez, c'est le truc de... J'aime bien réveiller ma femme... en lui faisant l'amour alors qu'elle est endormie, mais c'est ok parce qu'elle a consenti à ça, c'est ça? C'était ça? Et après il a dit lol, c'est une expérience sociale? Enfin, je dois me souvenir de genre 14 000 dramas. Si le trait d'astronomie est effectivement une expérience sociale, cette expérience c'est aux sciences humaines, qu'est-ce que la méthode de l'homéopathie, la méthode... What? What? Mais j'étais dans les tréfonds d'internet, ouais. Ouais, c'est très cringe. Sa position sur le truc de... C'est ok, genre une personne peut consentir à du sexe alors qu'elle est endormie si elle a donné son accord au préalable. C'est ne pas comprendre comment fonctionne le consentement. C'est très problématique comme propos. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Une personne, sur le coup, quand elle est endormie, ne peut pas consentir là... à ce moment-là, aux actes que tu vas faire avec cette personne. Donc non, je suis désolé, c'est pas comme ça que fonctionne le consentement. Et est-ce qu'il est revenu là-dessus?
Putain, il y a une vidéo. Vraiment. Les gens, est-ce que je vais vraiment être forcé de regarder du psychédélique pour comprendre ce qui s'est passé avec ce truc? Vraiment, les gens, n'hésitez pas à remplir PolitiWiki, s'il vous plaît, pour que je n'ai pas à passer par ça. En plus, ça dure 20 minutes. Ouais, non, je vais pas regarder ça. Hein. Il se met en difficulté. Peut-être sa femme accepte pour l'instant, mais dès qu'elle portera plainte, on prendra la défense de sa femme. Pourtant, le jour du mariage, elle a dit oui, ça marche pas comme ça. Merde, alors. Non, c'est pas comme ça que fonctionne le consentement, désolé. Je me souviens que le Bouzeux Magazine avait décortiqué ce drama sur 3 heures. Ouais, les gens vont peut-être pas remonter autant que ça. Hein. Ah, c'est difficile. Hein. De pétards à la maison ne passerait même pas un simple examen psychologique visant à déterminer si oui ou non ils sont aptes à tenir un flingue. La plupart des gens qui me reprochent d'avoir des flingues arborent à tour de rôle leur dépression, leur séjour en hôpital psy, leur alcoolisme ou leur dépendance à d'autres substances comme un enfant de cœur porte un Saint-Sacrement pour citer le poète. J'ai même pas à supposer de leur état psychologique, pour la plupart ils en font étalage sur Twitter. Eh ben vous savez quoi, tous Usul y compris, vous demanderiez une licence que vous passeriez même pas l'examen médical. Mais en étant dans l'incapacité vous-même de tenir un pétard, si même vous le vouliez, vous pensez que vous êtes apte à juger les gens qui, eux, en sont psychologiquement capables. Tous autant que vous êtes juste des cassos. Ah, c'est le pire contenu. Qui pensez que le monde entier est aussi exécrable que vous. Oh non, il a redit cassos, c'est vraiment un facho. Maintenant, je voudrais m'adresser aux gens qui, à ce stade, regardent encore cette vidéo. Et comme c'est du drama, je sais que vous... Oh, ces mimiques, ces imitations sont trop cringe, les gens, j'arrive pas... Vous allez être nombreux. Vous faites chier, les mecs, hein. Franchement, les vidéos ultra travaillées font des scores médiocres et celle-là, elle va exploser toutes les stats. Je sais très bien. Bref. Il y a déjà des tas de gens qui prennent ma défense sur les réseaux sociaux quand ils voient passer une saloperie sur ma gueule. Sachez que vous avez toute ma sympathie. Je peux pas être partout et sûrement pas passer ma journée à tenter de démonter chaque affirmation diffamatoire. Donc, j'apprécie vraiment ce que vous faites, les gens, quand vous prenez le temps de répondre aux trucs que vous voyez passer. On est 800 000 LRS sur mes chaînes YouTube, alors j'ai envie de clairement vous demander votre aide. Ce qui fait la... Je comprends pas, Astrologique. Si tu prétends que c'est très dangereux d'avoir des policiers qui tirent à vue sur des gens dans la rue, et donc il faut améliorer la formation, etc. Pourquoi ne pas également être pour désarmer la police, dans le sens l'armée moins qu'aujourd'hui, avoir moins de policiers armés, avoir certains rôles où c'est les rôles où il y a le moins fréquemment besoin d'avoir une arme à feu capable de tuer des gens sur toi. Par exemple, la police au Royaume-Uni, il y a moins d'armes, il y a plus d'unités de police, plus de types de police qui n'ont pas les armes pour intervenir dans certaines situations où c'est pas vraiment nécessaire. En tout cas, c'est presque jamais nécessaire, quoi. Merci pour le x2. Ouais. La force de ces gens, c'est leur nombre. Alors, ils sont pas très très nombreux, mais assez pour brailler suffisamment fort pour provoquer un brouhaha duquel sort l'idée générale que je suis un facho. Et je peux pas traîner chacun d'entre eux dans une procédure pénale qui dure des années, prendre place incroyable dans un emploi du temps et coûte une fortune. Je vais sûrement faire 2 ou 3 exemples, mais c'est pas ça qui arrête un harcèlement. Par contre, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me suivent. Alors, je sais très bien que la majorité est extérieure à tout ça et s'en fout, et je vous le dis tout go, vous avez bien raison. Mais pour ceux qui prennent ma défense spontanément sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous donner 2-3 directives, si je peux dire ainsi. Alors d'abord, n'allez pas vous lancer dans de grandes foires d'empoigne où vous ne feriez qu'y laisser de l'énergie et du temps inutilement. Ces gens-là ne sont... Bon, il n'y a plus rien dans la vidéo, on est d'accord que c'est vide après. Chose est prise. Dans son discours, un truc qui semble aller dans ce sens-là. Et je vais pas vous cacher que c'est pas facile tous les jours. Au quotidien, mon boulot, c'est de faire à longueur d'année, se faire un avis par elle-même. Regardez, en ce moment, j'essaie de bosser sur la plus grosse vidéo que j'ai jamais produite, mais je suis en train de voir qu'une réputation. Et je suis de plus en plus amené à devoir même tenir mes proches à l'écart. Juste besoin de dire que j'en ai plein le cul. Les réseaux sociaux sont infestés de gens qui ont la... Et voilà ce qui se passe. Mais quelqu'un au cul et qui se laisse bercer par une vague sensation d'injustice pour justifier leur haine de tout ce qu'ils ne pensent pas comme eux. Livrez-leur quelqu'un en pâture, et voilà ce qui se passe. Mais quelqu'un qui a la culture politique d'un but au cul et qui se sert de sa sensation d'injustice pour justifier sa haine de tout ce qu'ils ne pensent pas comme lui. Imaginez les gens, imaginez si moi je faisais des vidéos de 21 minutes en mode ouin-ouin, regardez toutes les personnes qui me critiquent en montrant les screenshots de tous les gens qui ont été catastrophiques à mon propos sur Twitter, dans mes commentaires, dans mon chat. Ça, je pourrais faire combien de vidéos comme ça de 20 minutes, hein? C'est ce que tout le monde voit dans le camp en face, sans se rendre compte que son camp est pas mieux. Alors, écharpez-vous autant que vous voulez sur vos idées politiques nauséabondes, mais essayez donc, pour changer, de me foutre la paix. Ok, bon, alors, les takes... Il y a certaines takes avec lesquelles je suis d'accord. Hein, améliorer la formation aux armes à feu de la police, ça, en effet, ça a l'air d'être...
d'être une bonne chose. Après, attendez, c'est quoi qu'il a dit exactement sur le... Au lieu de raconter des conneries. Récemment, dans une vidéo dont je n'ai pas envie de chercher la source, démerdez-vous, Tatiana Ventouse a dit ceci. Le chaos est assez avancé à certains endroits pour envisager désormais des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à... Non, au final, sur Tatiana, il a dit non, il ne faut pas que la police soit autorisée à tirer à vue. Ok, c'est juste très bizarre, quoi. La vibe est très chelou, en tout cas. Je tiens à dire que le chat est catastrophique, Mulch. Bah, comme tous les streams. Moi, j'ai arrêté de suivre avant 2020 parce que sa condescendance me gênait. Ça sent vraiment pas le gars mentalement stable pour détenir une arme. Idée politique nauséabonde égale ne pas vouloir vivre dans un pays autoritaire. Ouais. Bon. Est-ce qu'on passe à autre chose, les gens? Je pense qu'on a assez parlé de AstronoGeek. Visiblement... Il a pas trop envie de se positionner sur le racisme systémique, sur le racisme de la police, etc. Il a l'air d'éviter les sujets quand même centraux suite à la situation avec Naël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'invite publiquement AstronoGeek à venir discuter, ayons une discussion sur l'existence ou non du racisme systémique. Moi, je suis curieux de connaître ta position. Peut-être qu'on est d'accord. Peut-être qu'on est d'accord sur le sujet, peut-être qu'on a des désaccords. On peut aussi discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les causes des problèmes auxquels on fait face actuellement. Les problèmes de révolte, d'émeutes, de gens qui saccagent, qui pillent, les problèmes de la police qui tue, les problèmes de racisme, les problèmes de pauvreté qui sont aussi un énorme facteur dans les tensions actuelles. Et comment est-ce qu'on règle ces choses-là, quoi. Je serais très curieux d'avoir l'avis d'AstronoGeek sur tout ça. On pourrait discuter. Ça pourrait être du contenu. Voilà. Hello Mulch, ça va? Ça va très bien Kinder et toi? Bon alors, on va passer à un autre truc les gens. Qu'est-ce qu'on a encore? Mulch, la cagnotte des flics est une bombe à retardement. Le moment où elle sera encaissée, les émeutes vont reprendre. Ouais, c'est complètement lunaire cette cagnotte. C'est complètement fou. On est officiellement dans un pays où tu tues un gosse, tu l'abats de sang-froid, tu commets un meurtre et l'extrême droite instantanément te félicite, te dit bravo. Dont des syndicats de police, hein, te félicitent, etc. Et ensuite, s'organisent pour faire de toi un millionnaire. Pays normal, pas du tout une dystopie. Tout va bien. Même à l'international, les gens, même à l'international, ils parlent de ça. Ils sont en train de dénoncer la situation complètement lunaire en France avec cette cagnotte, hein. Cagnotte complètement tolérée par la droite au pouvoir, hein, les macronistes. C'est quoi la source de ça? C'est quel compte qui avait posté? Je voulais vous montrer un truc. Non, ouais. Où est-ce que c'est? Je scroll, il y a trop d'infos. Il y a trop... Ah bon, ok, j'en ai marre. Deux secondes. La technologie, comment est-ce qu'elle marche? Voilà. Non. Allô? Signal, pourquoi ça marche pas? Vous comprenez pas ce qui est en train de se passer parce que vous voyez pas mon écran, les gens. Mais j'essaye de trouver un contenu. J'arrive pas à le trouver. C'est une catastrophe. Échec d'un streamer en direct. Mais ouais, non, la cagnotte. Cagnotte en ligne en faveur d'un policier accusé d'homicide volontaire et initié par l'extrême droite. Je saisis ce jour la procureure de la République au titre de l'article 40. Arthur Delaporte qui tweet ça.
un député du PS, de la NUPES. J'y développe les raisons pour lesquelles cette cagnotte pourrait être considérée comme illégale. Cette cagnotte doit fermer. Ça, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose d'essayer de faire fermer cette cagnotte. C'est cool qu'il y ait des députés qui tentent. Alors, attendez. Ouais, regardez ça, les gens. Ça a été reposté par le gros compte Twitter No Context Humans. French policeman who shot 17-year-old teen receives millions in donations. Way more than the victim's family. Donc ça doit être clippé dans... Attendez, est-ce qu'on peut aller voir l'article? J'ai juste envie de voir comment est-ce que les médias américains ou autres médias internationaux couvrent ce truc. Politico. Politico, c'est un énorme site politique américain. Donc c'est quand même dans les gros titres. Hein. Macron, peak of French riots has passed. Selon Macron, lol. Après les émeutes, Macron doit réparer une France cassée. Et cet article, du coup, qui parle de cette cagnotte. Une cagnotte controversée, une campagne de fundraising controversée pour aider la famille du policier qui a tué Naël a dépassé le million d'euros. La campagne est lancée par sur GoFundMe par un politicien d'extrême droite français. Malgré la controverse, GoFundMe a dit qu'ils ne vont pas censurer cette campagne, ils ne vont pas mettre fin à cette campagne de financement. Les ministres invités à la télé et la radio ont difficilement éviter de prendre une position sur le sujet en se contorsionnant. Tout le monde peut exprimer leurs sentiments et contribuer à des crowdfunding, mais je pense que dans ce cas-ci, ça ne va pas dans la direction de l'apaisement, a dit le ministre de la Justice Dupond-Moretti sur France Inter. Quand c'est détingé. Quand c'est un gilet jaune qui boxe un petit peu un policier pour défendre une femme qui est en train de se faire frapper par la police au sol, etc., etc., et que les gens font une cagnotte pour lui, pour couvrir ses frais de justice, etc., là, ils arrivent à fermer une cagnotte. Hein, ils ont fait fermer cette cagnotte, on se souvient, il y a quelques années. Par contre, quand c'est les fascistes, pour récompenser littéralement un meurtrier, littéralement un criminel, d'avoir tué un arabe, là ils disent oui ok ça va pas dans la direction de l'apaisement mais on la garde quand même quoi. Le double standard est très 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 visible. La cagnotte de la honte, ouais, c'est une catastrophe. Mais vous voyez qu'ils en parlent, ils en parlent à l'international, hein. Ça fait les titres de médias américains, etc., etc. Ils parlent de Jean Messia. Un représentant de GoFundMe a informé Politico que la campagne de financement ne viole pas les règles de la plateforme. Ils autorisent donc de récompenser des fascistes meurtriers pour leur meurtre. Ok. Intéressant comme information à avoir sur GoFundMe. Ça va ravager l'image de la France pour des décennies, cette cagnotte, et les fachos vont nous expliquer qu'ils défendent la France et que c'est les Arabes qui ravagent le pays. Les gens, il faut vraiment que vous soyez au courant de ça. À l'international, l'image de la France vis-à-vis du racisme, vis-à-vis de notamment l'islamophobie, est catastrophique. Enfin, je veux dire, tous les pays, tout le monde sait à l'international à quel point la France est islamophobe. Ils ont entendu parler quand on a les polémiques sur le burkini, sur les abayas, tous ces délires complets
pendant des semaines, des mois, des années dans les médias et tout. Ne vous inquiétez pas qu'à l'étranger, ils savent très bien, hein, ils connaissent tout ça. Hein. L'image de la France est vraiment mauvaise sur ça. Hein. À juste titre, parce que la France est ultra raciste. Déjà, l'image de la France est dans les années avec notre police. Oui, oui, en plus, sur le, oui, les violences policières en France, dans les gilets jaunes, les images de violences policières avaient fait le tour du monde. Tout le monde est au courant de ce que fait la police française. Sur la réforme des retraites aussi, hein, on en avait parlé il y a quelques mois, vous vous souvenez, on avait regardé des vidéos de médias américains. Ouais, notre police a une image très catastrophique. Limite, en fait, c'est ça, le truc le plus incroyable, c'est que limite, j'ai l'impression que l'image à l'international de la France est plus proche de la réalité que l'image transmise par les médias mainstream français, par le gouvernement, sur tous ces sujets. Genre, c'est ça qui est fou. Après, est-ce que c'est pas un peu le cas pour tous les pays en général ? Les Américains vont être hyper aveugles à certains aspects de l'impérialisme américain à l'étranger, parce que domestiquement, on leur fournit des narratives, on leur fournit des belles histoires sur les valeurs, sur le fait que la guerre en Irak, c'était pour répandre un peu plus de démocratie au Moyen-Orient, etc., etc. Alors qu'à l'étranger, les gens vont être plus critiques et vont avoir des infos un peu plus objectives, quoi, un peu moins déformées. Je viens de voir Macron déclarer qu'en cas de crise prolongée, il n'excluait pas de couper les réseaux sociaux. Ouais, ils n'arrêtent pas de flotter ça, ouais. Je sais pas comment, genre c'est pas littéralement impossible de faire ça vu que les réseaux sociaux c'est en grande partie des entreprises américaines. Genre comment ils vont faire? Ils vont faire comme la Chine. Ils vont faire un mur, ils vont bannir certaines adresses IP, etc. Enfin, de certains sites. Les gens vont juste se mettre à utiliser des VPN. Enfin, ça peut pas marcher ce truc, ça peut pas marcher. Les macronistes sont tellement cons qu'ils vont pas annuler cette cagnotte, c'est fou. Comment tu peux appeler au calme et laisser cette cagnotte? Ça n'a aucun sens. Ah bah clairement, leur volonté n'est pas d'amener le calme. Hein. Ça, c'est sûr que s'il a cette cagnotte, il crée les conditions pour que le calme ne vienne pas. Jean Messia dit que la cagnotte sera fermée ce soir et tu pourras rien faire au mec qui a demandé à fermer la cagnotte. Attendez, je veux voir les arguments juridiques utilisés par Arthur Delaporte, ça m'intéresse. Cette cagnotte est initiée par Jean Messia, figure de l'extrême droite bien connue pour ses appels réguliers à la xénophobie et à la haine. Il a par ailleurs été condamné pour injure publique et fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Il ne fait aucun doute des intentions de l'initiateur de cette cagnotte qui utilise le drame de Nanterre pour asseoir et véhiculer des idées politiques appelant à la haine. En outre, cette cagnotte, si elle est intitulée et présentée comme un soutien à la famille du policier, le texte en description fait parfaitement état des intentions réelles de la destination des dons. Voici le texte reproduit à date. Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M., qui a fait son travail et qui paye aujourd'hui le prix fort. Soutenez-le massivement et soutenez les forces de l'ordre. On rappelle que faire son travail, selon l'extrême droite, c'est tuer un adolescent de 17 ans, arabe. Hein. Donc, selon l'extrême droite, c'est ça le travail de la police, c'est ça que devrait faire la police. Pas surprenant. C'est ce qu'on savait de l'extrême droite, mais bon, c'est très explicite. Cette cagnotte et son auteur peuvent en conséquence être en infraction à la loi et notamment pour les motifs suivants. En incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination au titre de l'article 24 de la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse. En provoquant un risque réel de financement direct des frais faisant suite à une éventuelle condamnation judiciaire au titre de l'article 40 de la loi susmentionnée. Et plus largement, au motif du risque sérieux de troubles à l'ordre public, eu égard au contexte particulièrement volatile dans le pays. C'est vrai ça ! C'est vrai qu'en France, on a des lois extrêmement vagues sur le risque de troubles à l'ordre public. Vous vous souvenez, c'est les fameuses lois qui sont invoquées pour interdire un tas de manifestations, pour interdire les casseroles ! Vous vous souvenez, les gens, les casseroles ont été interdites dans ce pays. Par contre, une cagnotte fasciste pour encourager le meurtre, là, non, trouble à l'ordre public, non, 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 ça, c'est pas un problème. Pour toutes ces raisons, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, je souhaiterais vous informer de ces faits qui peuvent constituer des délits. Je vous remercie de me tenir informé des suites, blabla. Très bien fait, cette lettre. Arthur Delaporte, lettre au procureur de la République de Paris.
On va voir quelles seront les suites légales de ça. C'est vague à dessein justement pour nous baiser à la fin. Exactement. Il va falloir attendre la condamnation du policier dans 15 ans pour que la cagnotte soit annulée. Ouais. Non, c'est très 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 flippant ce qui se passe dans ce pays. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre parce que GoFundMe, je vois pas en quoi ça viole pas les règles de GoFundMe. À part si GoFundMe a vraiment des règles très laxistes sur les appels à la haine, etc. etc. Mais genre... On est d'accord que ça pourrait être considéré comme violant des règles sur la liberté d'expression, sur la non-incitation à la haine et ces choses-là. Je sais pas, faudrait voir. Hein. Apparemment, la cagnotte sera fermée aujourd'hui. L'avocat de la famille de Naël a porté plainte contre Messia pour escroquerie en bande organisée et recel d'escroquerie en bande organisée. Ah, il y a eu aussi une plainte de... Ah, ça c'est intéressant ça. Merci pour l'info. Cagnotte, la famille de Naël dépose plainte contre Jean Messia pour escroquerie en bande organisée. Oula. L'avocat de la mère de Naël a annoncé avoir déposé plainte ce mardi contre Jean Messia pour escroquerie en bande organisée et recel d'escroquerie en bande organisée, dans le cadre de la cagnotte lancée en soutien à la famille du policier. Yacine Bouzrou, l'avocat de la mère, rappelle que Jean Messia a lancé une cagnotte de soutien au policier ayant tué Naël. Une cagnotte qui bénéficie soi-disant à la famille du policier. L'avocat estime que pour inciter les contributeurs à donner des fonds, Jean Messia a utilisé des manœuvres frauduleuses, notamment l'utilisation illégale des antécédents judiciaires de Naël pour le criminaliser et créer un mouvement de soutien au policier ayant tiré. L'avocat cible trois délits. Il a publiquement et mensongèrement présenté Naël comme un multirécidiviste, utilisé une photographie d'intervention policière sans autorisation. Messia a affirmé que les fonds seraient reversés à la famille du policier sans qu'il ne soit certain que le bénéficiaire mentionné soit effectivement un proche du policier. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous garantit que cet argent est utilisé pour ça ? Je veux dire, l'extrême droite est évidemment très connue pour son honnêteté, son absence de mensonges. Son absence de manipulation, ils ne font jamais ça. En effet, le bénéficiaire mentionné sur la cagnotte est anonyme. Tiens, tiens, tiens. Donc il y aurait trois délits. L'escroquerie, passible de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Quand même. Le détournement de fichiers de police, passible de 5 ans et 300 000. Et le recel de délit, passible de 5 ans et 375 000 euros d'amende. Sous pression, Jean Messia a annoncé en début de soirée que la cagnotte allait être clôturée ce mardi à minuit. Le député du Calvados, Arthur Delaporte, a également ce mardi saisi la procureure de la République. Bah, c'est très bien de tenter juridiquement de s'attaquer à ça, vu que l'État fait absolument rien, le gouvernement laisse faire. J'avais vu passer une take de Anas Kazib à ce propos. À propos de la cagnotte. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Anas Kazib avait dit « Ne soyez pas frustrés par la cagnotte du policier. Même s'il avait 1 milliard, il ne donne pas pour lui. Cette cagnotte est comme un bulletin de vote au bloc bourgeois. Un bulletin de vote du bloc bourgeois et réactionnaire. De ceux qui sont pour tout, de ceux pour qui tout va bien dans leur vie. » Pour qui le macronisme a tout fait. Ils disent par ce don, continuez Macron à flinguer les jeunes, à précariser le monde du travail et à détruire les acquis sociaux. Ils n'ont que l'argent à donner. Quand nous sommes des millions à nous bouger, à sacrifier nos maigres salaires. Point de frustration. Ils disent par cela être du côté de l'ordre, alors qu'ils sont en réalité uniquement du côté de l'ordre social, de celui d'une classe qui oppresse et domine une autre. Quand les rafales français bombardent des écoles et des hôpitaux, leur morale s'arrête. Ouais, alors ils pointent du doigt le fait que c'est des gens qui ont les moyens, qui donnent. Je sais même pas si c'est vrai ça, genre techniquement, je veux dire, il y a des millions de fascistes dans ce pays, d'accord ? Il y a des millions de personnes qui sont très contents quand la police tue un arabe.
parce qu'ils sont racistes. Pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent. Et ça serait des gens qui tomberaient dans le piège de Jean Messia de donner cet argent. Donc bon. Je sais pas si... bon, enfin bref. Faudrait voir le montant du don moyen sur la cagnotte. En fait, c'est pas vraiment l'angle à je sais pas, j'aime pas trop cet angle de critique de la part d'Anas Kazib. Surtout qu'il mentionne pas le racisme, il mentionne pas le fait qu'on récompense un meurtrier. Soyez pas frustré par la cagnotte. Si, tu peux être frustré par la cagnotte, non? C'est légitime. Ça témoigne en fait du climat actuel en France, quoi. C'est ça, c'est un marqueur. Cette cagnotte, c'est la preuve qu'il y a des gens qu'on peut encore taxer davantage. Je suis certain que des gens précaires ont donné aussi, les fachos sont pas tous bourgeois. Évidemment. J'ai des collègues aussi pauvres que moi qui ont donné en disant qu'ils ont ras-le-bol. Ça m'étonne pas. Après, évidemment que dans l'eau, il doit y avoir des mégadons, bien sûr. Ah, il y a une nouvelle vidéo de Parole d'honneur sur les émeutes. Alors souvent, très souvent, Wissam est beaucoup plus basé dans les vidéos qu'il fait sur la chaîne de Parole d'honneur que sur Twitter. Donc moi je dis on regarde. Hein. Le top don c'est 3000 euros dans la cagnotte, d'accord. Alors on va pas se mentir, durant ces émeutes, il y a effectivement des victimes collatérales qui font de la peine à voir. Mais en fait, le problème, c'est que c'est difficile de tenir un discours là-dessus. Il ne faut pas voir le monde entre les méchants émeutiers et les honnêtes travailleurs qui font pas de bruit. Par contre, je pense qu'il faut quand même qu'on ait un discours vis-à-vis de ces dérives. Et ce discours, il n'a pas pour but de dompter la colère, de dompter la violence, mais essayer de réfléchir sur celle-ci pour peut-être, pourquoi pas, mieux la diriger. Cette colère, cette explosion de la colère, malgré son expression qui est parfois ultra-violente, elle est légitime. Le problème, c'est que parfois, elle s'en prend à des gens qui sont pas mieux lotis que nous. Donc, d'un côté, il faut s'opposer à tous les discours racistes qui veulent réduire ces émeutes à de la simple sauvagerie, sans but ni rien, qui veulent juste tout détruire. Mais en même temps, ça doit pas nous empêcher, nous, d'avoir de l'autre côté un discours vis-à-vis de ces dérives et de réfléchir sur ce soulèvement pour qu'il puisse donner quelque chose de constructif et de pérenne. Le danger est grand. On est en train d'exposer nos petits frères à des dangers immenses, notamment vis-à-vis de la police qui est sur les dents et qui n'attend qu'une chose, c'est de taper sur des Noirs et des Arabes. Sans oublier aussi les dangers... Il a raison. Il a raison, pour l'instant très basé, ouais. Judiciaire, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des directives comme quoi la justice doit être très 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 sévère. Et là, elle... Oui. La justice en ce moment est en train d'opérer dans une logique de faire l'exemple, de faire de jeunes qui sont arrêtés, qui sont jugés, d'en faire des exemples pour dissuader. Ils ont une logique complètement punitive, complètement arriéré et inflige des peines extrêmement disproportionnées vis-à-vis des preuves tangibles qu'on a. On en a parlé hier. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que moi, sur mon stream, j'ai toujours encouragé les gens à ne pas aller casser des trucs, à ne pas faire ça. Je dis, c'est contre-productif, c'est dangereux pour vous, etc., etc. Et Wissam a totalement raison. Il y a des peines qui tombent de ouf. Par rapport à tout ça, nous, les militants antiracistes, on a une responsabilité. Nous, on n'est pas des bandeurs de l'émeute, parce que ces émeutes, elles sont aussi le signe d'un désert politique. Elles sont le signe qu'il n'y a plus de mode d'expression dans les quartiers. Aïe, 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 merde. Il fallait qu'il y ait une take. Il fallait qu'il y ait un truc. Il n'y a aucune issue politique. Ah, bon. Attendez. D'un désert politique. Elles sont le signe que... Il n'y a plus de mode d'expression dans les quartiers et que pour exprimer leur colère, ils n'ont plus que les émeutes. Et ça, c'est dû à un manque d'auto-organisation dans... dans les quartiers ou même d'auto-organisation antiraciste. Mais ça, c'est pas dû au quartier, c'est dû à tout le contexte politique, en particulier à la gauche, qui a tout fait pour empêcher l'autonomie des quartiers. Quoi ?
Attendez, ok, j'étais pas sûr que c'était une mauvaise take, mais là, ok, je suis sûr. C'est en particulier la gauche responsable de ça. La gauche qui n'a pas été au pouvoir depuis 30 ans. Les gens, genre, j'en peux plus de ces gens. C'est incroyable. C'est incroyable. On a le choix, genre, soit pointer la droite au pouvoir depuis 30 ans qui a créé toutes les conditions qui ont mené à ces émeutes, soit critiquer la gauche. Option 2, directement. Antiraciste. Mais ça, c'est pas dû au quartier. C'est dû à tout le contexte politique, en particulier à... Mulch, il y a 5 minutes, oui, ça, mais souvent basé. Les gens, j'essaye, genre, vraiment, moi, je... Je suis de bonne foi, genre, j'essaye de toujours partir de l'idée que les gens vont faire du bon contenu, vont avoir des bonnes takes, etc. Et il y en a, hein, il y a des très bonnes takes dans cette vidéo, mais... Bon. Faut pas être délu, la gauche a longtemps oublié les quartiers. Non, si t'oublies les quartiers, t'es pas de gauche. Il y a quand même des problèmes, blablabla. Position par position. Oui, moi ici, les gens, ici, on critique position par position. Vous m'entendrez jamais dire cette personne est mauvaise de façon essentielle. Non, je vais critiquer des propos ponctuels des gens quand ils disent des trucs positifs. Je veux dire, c'est incroyable, c'est trop bien que les gens diffusent ces idées-là. Je vais le partager sur Twitter, je vais le partager dans mon Discord, etc. Et quand les gens disent n'importe quoi, je vais dire c'est n'importe quoi. C'est comme ça que ça marche, le stream. À la gauche, qui a tout fait dans les quartiers, ou même d'auto-organisation antiraciste. Mais ça, c'est pas dû au quartier, c'est dû à tout le contexte politique, en particulier à la gauche, qui a tout fait pour empêcher l'autonomie des quartiers. C'est dû à tout le contexte politique, en particulier la gauche. Non mais c'est un délire total, là. Il est en délire total. Ça y est, genre en ce moment, il pète un câble. Et donc maintenant, on est démunis, on n'a plus rien. Parce que, comme vous voyez, les quartiers, les Arabes et les Noirs, les musulmans, ils n'ont aucun moyen de s'organiser. À chaque fois qu'ils essayent un petit peu... De quoi ils parlent? Genre, la gauche s'est présentée, a fait des campagnes antiracistes en 2017, sont présentés avec un programme antiraciste ambitieux, qui va totalement dans le bon sens, qui propose des réformes policières ultra ambitieuses. Pendant les 5 ans du premier mandat Macron, ils ont proposé combien de projets de loi, ils ont défendu combien de mesures ultra basées sur tous ces sujets-là. Ensuite, la campagne de 2022, encore une fois, ils échouent arrivés au second tour parce que les gens de gauche sont trop bêtes pour voter pour le seul truc de gauche qui peut gagner. Et genre après, tout ça, c'est la faute de la gauche. Genre c'est lunaire, les gens, c'est lunaire. Il y a soit la gauche, soit le gouvernement. La gauche n'est pas au pouvoir, Wissam. Ou alors il considère que Macron, depuis 2017, c'est la gauche au pouvoir. Peut-être dans sa tête, ça marche comme ça. Après, pour ces gens-là, Hollande, c'est la gauche. Donc bon, est-ce que pour eux, Macron, c'est pas la gauche aussi, finalement? Moi, je vois pas la différence entre Hollande et Macron, personnellement. Donc si Hollande est de gauche, Macron est de gauche, non? Aucun moyen de s'organiser. À chaque fois qu'ils essayent un petit peu, il y a soit la gauche, soit le gouvernement qui est là pour casser les projets. Et on se rappelle l'exemple du CCIF qui a été dissous. Et donc pour nous, ces émeutes, elles expriment... Le CCIF a été dissous par qui, Wissam? Dissous en 2020 par Macron. C'est la droite qui l'a dissous. C'est fou, quoi. C'est... Ok. Et on se rappelle l'exemple du... Entre la gauche, la droite et l'extrême droite, qui a le plus empêché l'autonomie des quartiers? La gauche? Bien sûr, la gauche, oui, bien sûr. Le gouvernement qui est là pour casser les projets. Et on se rappelle l'exemple du CCIF qui a été dissous. Et donc pour nous, ces émeutes, elles expriment une colère légitime, mais elles sont aussi le signe d'une défaite. Le fait que, bon ben, il n'y a plus vraiment de choix, il n'y a plus vraiment d'opportunités. On a juste à exprimer notre colère et à tout casser. Et il y a aussi un point important.
Faut comprendre la position de Wissam aussi. La loi permis de tuer a été faite par qui? Bah, par Hollande. Par Cazeneuve, Hollande. Qu'est-ce que vous racontez, les gens? Tant à dire, c'est que les émeutes, les révoltes, elles ont toujours eu des dérives, il y a toujours eu ça. On va prendre un exemple. Comment? Attendez, les gens, vous... Pourquoi vous pensez que c'est la gauche qui a fait ça? Genre, ça vient d'où? Vous vivez dans une autre timeline? Je comprends rien. Les révoltes, elles ont toujours eu des dérives, il y a toujours eu ça. On va prendre un exemple qui est totalement légitime pour tous les Français, la résistance. Et bien, même dans les résistances, il y a eu des dérives énormes. Mais on est tous d'accord que ce n'est pas une raison pour dénigrer la résistance. Donc maintenant qu'on a fait le constat de cette colère et qu'on a dit que cette colère, elle était légitime, ça ne doit pas nous empêcher maintenant de penser à comment organiser politiquement cette colère, comment organiser politiquement ces émeutes. Il y a plein de possibilités et ça, c'est des choses qu'on doit discuter dans les prochains jours. Mais je pense que l'une des pistes là et l'une des urgences, c'est de créer des solidarités envers toutes les personnes qui ont été arrêtées et qui même en ce moment même dorment en prison. On parle même parfois de mineurs qui vont prendre des prisons fermes. Et donc c'est pour ça que là, je vous invite à partager cette cagnotte parce que c'est très important. On parle de prison ferme comme ça d'un coup. Moi, je suis désolé, mais du coup, moi, je peux pas partager ce contenu. Un contenu qui dit le problème principal qui empêche l'autonomie des gens dans les quartiers, c'est la gauche. En particulier la gauche, il a dit en particulier la gauche. C'est un contenu qui est littéralement nuisible pour la cause antiraciste, pour la lutte contre le racisme systémique, pour la lutte pour la réforme de la police. Parce que du coup, ça incite les gens à ne surtout pas mettre la gauche au pouvoir, parce que la gauche, selon Wissam, dans cette vidéo, est le truc qui en particulier a causé les problèmes et a empêché les solutions d'advenir. Donc désolé, genre, moi j'aimerais bien pouvoir partager le contenu, mais je peux pas. Oh. Ça compte son camp, cette vidéo JPP. Bref, les gens. Je comprends pas toute cette... Il y a quand même toute une frange des influenceurs politiques sur Internet. On dirait que leur combat principal, c'est d'essayer de faire croire que Hollande est de gauche. Ça va de Jean Massier et Usul qui essayent littéralement de participer au comeback politique de Hollande en le plateformant explicitement, en passant par Wissam, Dany Eraz et toute cette clique-là. Je comprends pas trop pourquoi ces gens font ça, genre... C'est très étrange pour moi, hein. Ils sous-entendent qu'à gauche, ce sont des blancs qui ont fait du white-splaining et que les noirs et les arabes se font avoir. Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit, hein. Attention, ne confondez pas plusieurs mauvaises takes qui sont faites par différentes personnes. Il essaie de mettre en lumière les contradictions de la gauche. Non, il n'y a pas de contradiction de la gauche. La gauche est antiraciste. À force de se focaliser là-dessus, il occulte le fait que l'ennemi principal, c'est l'extrême droite. Je sais qu'en général, Wissam dénonce évidemment l'extrême droite dans plein de contenus, mais dans cette vidéo-là, c'est la façon dont il le présente, c'est catastrophique. Ce genre de take a de l'influence, elle est reprise autour de moi par des potes qui sont mobilisés dans les luttes antiracistes et écologiques, qui commencent à faire du shitstorm sur la gauche et sur les réseaux sociaux. C'est une catastrophe, les gens, c'est juste... En fait, j'ai juste l'impression que personne à gauche veut gagner. Genre, les gens veulent juste rester dans le statu quo. Les gens veulent juste être des résistants face à l'ordre établi, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir tous les jours se lever, critiquer le gouvernement, critiquer le statu quo, dénoncer, montrer à leur entourage, montrer sur les réseaux sociaux que eux sont des vrais lutteurs en lutte contre le système, blablabla. Et donc, il faut absolument qu'on reste dans le système, sinon ils perdent leur identité. Ils ne peuvent plus être les révolutionnaires, ils ne peuvent plus critiquer H24 le gouvernement, parce que si la gauche est dans le gouvernement, si la gauche a gagné et commence à changer le monde dans le bon sens, tu vas devoir dire du bien du gouvernement. Tu vas devoir dire du bien des gens au pouvoir. Quelques jours dans l'année, tu pourras pas
être le révolutionnaire en lutte parce que, ah, il y a des trucs bien qui sont en train de se passer, en fait. Je suis désolé, mais moi, c'est l'impression que ça me donne, tous ces gens. C'est la vibe que j'ai. En tout cas, ça serait une des explications. Ce qui est très cringe, les gens. Nous, on veut du vrai changement. Du vrai changement pour le prolétariat, du vrai changement pour les travailleurs, du vrai changement pour les personnes non blanches. On veut sortir du statu quo. On veut changer les choses. Et pour ça, il faut être le plus stratégique, le plus efficace possible. Et arrêter les comptes son camp. Il faut arrêter les comptes son camp quotidien, les gens. Moi, j'ai pas envie que ce stream, ça soit que des critiques de gens dits de gauche tout le temps. Et j'essaye de contrebalancer en critiquant plus souvent la droite et l'extrême droite que des gens comme ça, mais bon. Tu luttes contre l'antiracisme à ne pas partager du contenu antiraciste, au pire. Partage du contenu antiraciste autre que Wissam. Non, je partage H20. Les gens, je suis du contenu antiraciste, de quoi vous me parlez? Genre, je nuis à l'antiracisme, c'est fou. Si tu veux voir Bernalicis détruire une macroniste. Ah. Ah oui, pour terminer le stream, je veux bien terminer sur une note positive. Je vous présente à présent mes invités pour cette première partie de questions d'actualité. Violette Philbout, bonjour. Much ne comprendra jamais que Mélenchon a fait le plein à 23% et que le problème, c'est l'abstention. Attends, c'est littéralement ce que je dis. Genre, je critique les abstentionnistes, je dis l'abstention ne sert à rien. En quoi je comprends pas ça? Vous êtes bizarre. Attends, Narcisse Lerouge, n'hésite pas à venir en vocal, les gens. Les gens qui sont pas d'accord avec moi sur les trucs... Je suis ouvert à la discussion, n'hésitez pas à venir en vocal, vous avez le lien du Discord dans le chat. Et on peut en parler. On est obligé d'essayer de corriger le tir aussi, Mulch. Malheureusement, c'est pas de ta faute si tu dois revenir sur des positions catastrophiques. Non, mais c'est ça le truc. Imaginez, les gens, imaginez, on est dans le match de foot, d'accord? On est sur le terrain. Et l'équipe d'en face... L'équipe d'en face mène 3-0. Et là, on arrive à en mettre un. Puis on en met un deuxième. Et clairement, l'équipe d'en face est super fatiguée. Ne joue plus du tout à la hauteur de ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et nous, on a la pêche parce qu'on vient de mettre deux buts. Et la victoire est possible. Elle est à portée de main. Et là, je regarde autour de moi et je vois le gardien en train de faire des tractions sur la transversale. Je vois mon ailier gauche faire des danses TikTok. Et je vois mon attaquant donner le ballon explicitement à l'équipe d'en face. Est-ce que je serais pas légitime à essayer de raisonner mes coéquipiers en priorité et leur dire « Venez les gens, on arrête tous ces trucs-là, venez juste, on marque un dernier but et on gagne. » Vous en pensez quoi? Je tente d'être bien fait pour tous pendant 2 secondes. Vous pensez quoi de mon roleplay BPT? Je vous présente à présent mes invités pour cette première partie de questions d'actualité. Violette Fille. Mon Discord fonctionne pas, est-ce que t'as un autre lien? Oula. Je peux t'envoyer un lien. Ouais, attends, je cherche un truc. On écoute Bernalicis. Et je vous présente à présent mes invités pour cette première partie de questions d'actualité. Violette Philbout, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance du Nord et Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Vous êtes également députée du Nord, mais pour la France insoumise. Alors, l'exécutif cherche une réponse politique après ces émeutes urbaines. Le président reçoit les maires à l'Élysée. Hier, il a reçu la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, Gérard Larcher. La première ministre, elle s'est entretenue avec les différents présidents de groupe à Matignon. T'es qui pour me dire que j'ai pas le droit de faire de roulade? Je veux pas légitimer les règles du foot, t'as aucune culture politique, Mulch. Si je marque un but, je légitime le sport du foot. Ouais, c'est ça. Et ce matin, elle s'est exprimée devant l'ensemble des groupes de sa majorité. Elsa, vous êtes celle des 4 colonnes. Quel est le message qu'est venu délivrer la première ministre aux députés? Eh bien, écoutez, elle a voulu délivrer un message... Les gens, j'ai juste oublié le nom. Je crois que je suis fatigué ou quoi. J'ai oublié le nom
du service de chat qu'on a utilisé la dernière fois. C'était quoi déjà? Pire streamer. Ah, j'ai oublié le nom, bordel. National. Vous l'avez dit, tous les députés de la majorité étaient invités et présents à cette réunion de groupe. Il y avait également les membres du gouvernement concernés. On peut penser à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, ou encore Olivier Klein, ministre de la Ville. Un message d'unité nationale, mais aussi une violente charge politique contre les insoumis. Selon la première ministre, les insoumis et leur refus de condamner leur violence sont une preuve supplémentaire à ses yeux que le parti ne se positionne pas dans le champ républicain. Voilà ce qu'a dit la première ministre. Elle a rappelé aux députés de la majorité les piliers de la réponse du gouvernement, la mobilisation des forces de l'ordre, la fermeté de la réponse pénale. La... Ok. Longue intro. Vous avez été hors du... ce matin la réunion de l'intergroupe, hein, Renaissance Modem Horizon, pour dire que vous étiez hors du cadre républicain, hors du champ républicain, dans la réponse que vous avez apportée lors de ces émeutes. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Ben, je dirais que pour le gouvernement, finalement, ces épisodes de violence qu'on fait suite au meurtre du jeune Naël sont une aubaine pour eux, pour se défausser de toute responsabilité politique. En les entendant, c'est comme si nous étions au pouvoir depuis 6 ans, comme si nous dirigions le pays et que c'était nous qui étions en charge de la police, nous qui étions en charge des quartiers populaires dans ce pays, nous qui étions en charge des mairies, etc. Enfin, vous voulez dire quoi, que le gouvernement sort sur la situation, en profite? Comme d'habitude, en cynique. C'est marrant parce que techniquement, oui, ça, mais Macron main dans la main pour dire le problème c'est la gauche. C'est marrant un petit peu quand même. Allez, on peut rire un petit peu quand même, les gens. Qu'ils sont, puisque tout ça permet d'éclipser très très rapidement les causes qui ont conduit aux événements qui sont là. Nous sommes les seuls à avoir proposé... Et on va revenir sur les causes. On va revenir sur les causes. Mais sur le cadre républicain, vous n'avez pas appelé au calme. Parlons du cadre républicain. Expliquez-nous. Parlons du cadre républicain. Pourquoi ne pas avoir appelé au calme? Nous sommes la seule organisation politique à avoir proposé un plan politique avec des mesures politiques pour répondre politiquement. Ah, elle veut l'empêcher de parler. Elle sait qu'il a raison. On va en parler, on va en parler, on va en parler. Ah, on va en parler. À la crise. Mais avant, pour faire avant de la politique, les réponses, politicienne, avant des appels réponses, au calme ou je sais pas quoi, des injonctions. Les appels au calme ne servent à rien pour vous. Ben, ils sont inopérants. Si j'appelais au calme, là, regardez, j'appelle au ça calme. Ça n'a pas été bon, efficace. Et alors, est-ce que ce soir, il n'y aura pas encore des problématiques? Est-ce qu'il n'y en a pas eu hier ou avant-hier? J'étais moi-même devant la mairie de Mont-Saint-Bérol quand elle a brûlé, aux côtés des agents municipaux. Les gens, trouvez-moi le nom du service de... Genre, mon cerveau a complètement dysfonctionné et j'arrive pas à l'instant à me souvenir du nom. Bordel. C'est quoi le nom? On envoie un lien et après on peut parler sur vidéo, sur audio. Ah! Aux côtés des habitantes et des habitants, la salle Allende qui est en face, que vous connaissez probablement. Non, c'est pas IRC, non! Pour y avoir des spectacles culturels, je trouve que c'est un bel équipement. Oui, je suis dégoûté qu'elle ait brûlé, cette salle de spectacle. Oui, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on brûle des mairies. Mais si vous aviez appelé au calme avant, ça n'aurait rien changé pour vous. Mais non, une fois que j'ai dit ça. Parce que la cause du problème, ce n'est pas la France insoumise, au cas où vous n'auriez pas remarqué, pas vous, juste vous, mais vous, les macronistes, etc. Si c'était nous qui déclenchions les émeutes, je vous dirais, à côté, on a une responsabilité politique. D'accord. Mais on Alors ne on déclenche va rien de tout ça. On répondre, Violette Spielboot, parce qu'on vous accuse finalement de surfer sur la situation. Mais d'abord, la première chose, c'est que dire que la France insoumise est hors du champ républicain quand on regarde les paroles de M. Bernalicis, mais aussi les paroles de l'ensemble de ses acolytes de la France insoumise, hein, Jean-Luc Mélenchon le premier, qui explique il y a quelques jours que finalement pour les émeutiers il faut essayer d'épargner les bibliothèques et les mairies, mais vous entre préférez qu'on brûle les bibliothèques et les mairies. Entre parenthèses, vous pour le reste, qu'on les brûle, vous. Les commissariats de police. Les... Quoi? Attends, comment ça, entre parenthèses, pour le reste, vous pouvez y aller? Genre, non, ils ont pas dit ça. Juste mentons sur ce qu'ils ont dit, rajoutons un truc qu'ils ont pas dit pour pouvoir l'attaquer, c'est que des hommes de paille, ils ont rien, la droite n'a rien. C'est ce qu'a dit la première ministre, on choisit ses bâtiments, mais pas le reste. La politique politicienne a deux balles, du cynisme qui n'aide pas la situation. Monsieur Bernalicis, qui est député de Lille comme moi, on connaît bien le territoire, dit qu'il était... Non, Bernalicis, fallait plus couper la parole là, faut pas la laisser continuer après ça, faut débunker instantanément, faut dire vous mentez, vous inventez des propos... On n'a jamais tenu, c'est de la diffamation, vous êtes une menteuse, vous faites de la manipulation, et nous on veut le calme. Mon
munitions sans barreles au lendemain de l'incendie de cette mairie. Mais sortir du champ républicain, c'est les maires eux-mêmes qui le disent. Le maire de Mont-Saint-Barreul n'a pas voulu de vous, monsieur Bernalicis. Député macroniste, pourquoi candidat à la députation macroniste. Que... C'est pas un argument, c'est pas parce qu'un maire dit un truc que c'est vrai, on s'en fout. Tout simplement, monsieur Bernalicis ne condamne pas les violences, incite à la haine, utilise les réseaux sociaux comme les autres députés de la France insoumise pour attiser le feu, pour inciter des jeunes à une révolte dont finalement ils ne se... Source ? À quel moment ils ont incité à une révolte ? Revendique vous avez même des éléments plus. Pour prouver ça et vous avez des éléments parce que c'est grave vos accusations du champ républicain, c'est aussi madame Panot qui ouais. Hier est invitée de façon très républicaine comme tous les présidents de groupe. Bah attends, faut tu lui demandes des sources mais tu la laisses continuer de s'exprimer en donnant pas de sources. C'est pas très efficace là. Par la première ministre à discuter et qui quitte la réunion. Donc voilà, travailler ensemble à... Déjà, je suis en train de chercher, parce que personne dans le chat m'a donné le nom du truc qu'on utilise d'habitude pour discuter, c'est une catastrophe. Je vais devoir DM BPT. Hein. Jitsi, merci. Oh putain, je suis trop con. Merci, il y avait une personne quand même. J'avais pas vu. Merci Marcel Patuacci. L'unité nationale a trouvé des solutions pour les quartiers après des années d'investissement public, effectivement. C'est quelque chose qui doit se faire avec l'ensemble des élus des territoires et surtout aux côtés des maires, parce que c'est les maires qui sont au front aujourd'hui. Hugo Bernalicis, ces jeunes oui. Qui se sont révoltés, est-ce qu'ils ont aussi profité un peu de la situation, du chaos? Est-ce que ce ne sont pas des casseurs? Est-ce que vraiment, parce que quand on les a interrogés, ceux qui ont été évidemment, interpellés, il y a des gens qui ils n'avaient pas vraiment de lien évidemment, avec Naël. D'ailleurs, je voyais dans les routes... Bon. Narcisse, je t'ai passé le lien... Jitsi, pour que tu viennes discuter. Je t'attends. Autour des comparutions immédiates, qu'il y en avait un qui n'avait qui pas du tout participé aux émeutes, qui arrivait à 4-5 heures du matin et se baladait dans le quartier. Il y a vu un magasin qui était ouvert, il a pris ce qu'il y avait dedans et il s'est barré. Il s'est fait attraper. Ça vous condamne. Comparution immédiate. Pas pour qu'on pille les magasins. Enfin, qui est pour ça, en fait, dans le pays? Qui est pour ça? Voudriez faire croire qu'on est pour le pillage des magasins? Ah, mais moi, ça je fais rien croire du tout, non, je non, vous mais, interroge. Oui, mais sauf qu'à ma droite, on fait croire ça. Et ça, c'est quoi la suite, madame Spielboot? Vous allez proposer la dissolution de la France insoumise? C'est ça? On vous en est là? Vous avez l'air bien allez... énervé, monsieur. Oui, je suis énervé. Waouh, c'est tellement cringe. On dirait vraiment, genre, c'est vraiment des stratégies de bully de cours d'école, genre, ah, vous haussez le ton, vous avez l'air bien. Genre, sur la forme, tu sais, ouais, la fausse naïveté en plus, oui. Ces gens sont tellement toxiques, genre c'est tellement visible. Attendez, Narcisse le Rouge. Est-ce que t'as bien reçu le... Je t'ai envoyé un DM sur Twitch. Tu peux remettre? Non, Narcisse, non, me fais pas ça. Pas encore, tu peux juste cliquer le lien et venir, s'il te plaît. Genre c'est vraiment pas dur. S'il te plaît. Mes affects sont très très sollicités ces jours-ci. Les fachos en roulis me rendent malade. Bah, c'est assez sain de péter un câble vis-à-vis de la situation actuelle, ouais. Oui, la situation est horrible. La situation est horrible, mais bon. De plus en plus de gens le voient. De plus en plus de gens constatent le vrai visage du fascisme. Des gens comme Jean Messia, de tout le Front National, des syndicats de police et tout, qui jubilent à la mort d'un gamin. Je pense que beaucoup de gens voient très bien ce qui est en train de se passer. Hein. Ça m'énerve, LFI, ils font constamment du 2v1 minimum aussi. Ouais. Ah oui, bien sûr, non, mais ils vont y créer à chaque fois les... En fait, t'es pas invité... Si t'es de gauche, tu n'es pas invité dans les médias s'il n'y a pas au moins 3 personnes en face pour te débunker avec des sophismes toutes les 2 secondes. Laisse tomber Mulch. Ok, bon, tu pouvais me dire dès le début que t'avais pas de portable, mais comment tu parles? Comment tu parles dans un chat si t'as pas accès à Internet, Narcisse le Rouge? Forcément, tu parles sur un appareil, je comprends. Comment ça fonctionne, les gens? Comment vos vies fonctionnent? Oh. Minitel, il est sur Minitel. Parce non, qu'on non, arrive dans 2 heures de questions au gouvernement non, où effectivement... J'aimerais finir ma prise de parole, madame Thibault. J'aimerais finir ma prise de parole. Non, je vous mets en cause, c'est pas pareil. Je vous mets en cause, c'est pas pareil. Et oui, vous attisez la haine sur les réseaux... J'ai pas reçu ton lien. Narcisse le Rouge, t'es présent que sur mon chat Twitch. T'es envoyé un DM Twitch. Tu veux que je t'envoie comment?
C'est quoi les autres moyens que je peux t'envoyer ce lien pour que tu rejoignes l'appel, Narcisse le Rouge? Il t'écoute sur TSF? J'ai pas reçu ton lien, respecte les anciens. Mais tu veux que je te l'envoie comment? C'est quoi un DM? Oh non. Oh non. Oh. Ok, non, je devrais pas faire ça. Je devrais pas faire ça. C'est méchant, pardon, désolé. Ok, alors Narcisse, clique le lien dans le chat. Clique-le très rapidement par contre. Vas-y, il est là. Clique le lien. Vas-y, vite. Clique le lien, ramène-toi. Vas-y. Clique. Ah mince, je peux pas supprimer mes propres messages dans le chat. Attendez. Allô? Ok, les modérateurs supprimaient mon message dans le chat avec le lien. Allô, Narcisse le Rouge? Oui, c'est moi. Ah, salut. Enfin. Salut à toi. Ma meuf gère, en fait. Elle est beaucoup plus jeune. Ok. Bon, c'est pas grave, je... Désolé si je me suis emporté. Pour un anticapitaliste, tu respectes pas un mec. Enfin, t'es pas vraiment anticapitaliste, mais tu respectes pas un mec qui a pas de portable. Enfin, on est 15 en France, hein. C'est bon. Désolé. Ok. On passera. On pourra discuter après sur est-ce que je suis anticapitaliste ou pas. Mais ouais. Donc t'étais en train de me dire. Attends, je remonte à ce que tu me disais dans le chat. Tu me disais. Mulch, tu comprendras jamais que Mélenchon a fait le plein à 23% et que le problème est l'abstention. Alors, je comprends pas très bien, ouais. Parce que si le problème, c'est l'abstention, moi, je suis d'accord avec toi que l'abstention, c'est un gros problème. Non, je crois qu'on s'est... Donc, du coup, si les abstentionnistes... Si on règle le problème d'abstention et les abstentionnistes votent et ne font plus l'erreur de s'abstenir, eh ben, ils voteraient pour le truc de gauche qui peut gagner. Donc, c'est donc que Mélenchon n'a pas fait le plein. Il pouvait faire un plus haut score, non? On est d'accord. Il y a peut-être un quiproquo. C'était juste le fait que... Et d'ailleurs, j'ai échangé avec, je crois, Ibra sur le chat que... Attends, tu peux couper ta vidéo, juste, s'il te plaît, parce que je pense la bande passante... La politique... Excuse-moi, tu m'entends? Ouais, pour la bande passante, peut-être tu peux couper la vidéo. Je pense que l'audio passera mieux. S'il te plaît, si tu peux... Il y a un petit bouton en bas de l'écran, t'as un truc stop caméra, le deuxième bouton. T'es fou toi, quoi, un petit bouton en bas, je sais même pas, regarde. Tu vas sur la fenêtre avec Jitsi et tu mets ta souris, tu bouges un peu ta souris sur la fenêtre, tu vas avoir un menu en bas qui apparaît et t'as un petit bouton pour où il y a écrit stop caméra et tu peux arrêter de couper ta vidéo. Ça va, c'est juste pour avoir une bonne qualité de son, plus agréable pour le public. Alors j'appelle. L'aide internet, franchement, j'y connais rien. Tu vois, j'ai encore des cassettes. La souris, genre la souris. Donc, attends, j'appelle mon aide internet. C'est l'avantage d'avoir une femme beaucoup plus jeune que toi. C'est quoi? Écoute, Mulch, il te dit qu'il y a un petit bouton quelque part. Tu n'écoutes pas Mulch non plus. Tu vas écouter Mulch ou quoi, bordel? Pour qui tu me fais passer? C'est juste pour couper la caméra pour avoir une meilleure qualité de son. Désolé de vous déranger. Je meuble en attendant. Alors, répète mieux que j'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, c'est juste pour couper la caméra pour que le son soit de meilleure qualité. Il y a juste un petit bouton en bas de la fenêtre. En bas. Le deuxième bouton, normalement, sur Jitsi. Alors, avec la vidéo. Moi, sur le deuxième bouton, c'est la vidéo. Ouais, exactement. Faut cliquer dessus. Ouais. Et je coche quoi? Juste tu cliques sur le bouton normalement, stop caméra. Ouais, stop caméra. Voilà, c'est trop bien, merci beaucoup. Ah, attends, là tu l'as rallumé. Ok, il faut juste cliquer une fois. Ok, merci. C'est beau la Bretagne. Ok, désolé. Okay, alors du coup, on reprend la discussion. Donc tu me disais, ouais, sur l'abstention. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tout va bien maintenant. La qualité est mieux. Merci beaucoup d'avoir. Que la technologie.
Donc oui, je disais que Mélenchon avait fait le plein dans le sens que si tu regardes, si vous faites des mathématiques, non pas souterraines, mais des mathématiques à ce moment-là, si vous cumulez, à ce moment-là, bah, cumulez les votes de droite. Et vous verrez combien ça fait. Le problème, mais tu es d'accord que le problème, c'est l'abstention. Ce n'est pas... Oh, ah oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'en parlais avec Ibra dans le chat. Bon, alors, c'est cool d'être en finale, d'être au deuxième tour. Moi, j'ai fait la campagne Mélenchon. J'ai fait la campagne et les filles. Donc, évidemment, je suis complètement sur votre ligne de pensée, etc. Est-ce que tu es toujours sur la ligne hussard noir de la République aussi? On en avait déjà parlé une fois. J'ai tenté, et pour une partie, ils l'ont fait, mes potes, entre guillemets, d'extrême gauche, parce que pour moi, les filles, c'est juste la gauche. Donc, mes potes d'extrême gauche, de voter Mélenchon, parce que c'était le vote, entre guillemets, utile, mais ils l'ont fait. Et puis, il y a une partie qui ne le fera jamais. Voilà. Alors, d'accord, mais du coup, je vois pas trop c'est quoi ton désaccord avec moi. Non, du coup, je vois pas mon désaccord vraiment avec toi, finalement. Mais du coup, moi je comprends pas pourquoi tu dis il a fait le plein, parce que t'es d'accord que c'est possible qu'il ait plus de voix. C'était résiduel, parce qu'on fait les autres étaient résiduels. On n'a jamais eu un PS. Pour moi, le PS, c'est un parti de droite. Il a jamais été aussi bas, il a disparu d'ailleurs. Au point de se fondre, d'être obligé de se fondre dans la NUP, ou dans la NUPES, comme tu veux. Ouais, mais on est d'accord qu'il y a des gens, si les gens qui s'abstiennent votent, mais si c'est possible que des gens qui se sont abstenus votent en fait pour le truc de gauche qui peut gagner, c'est donc que le truc de gauche qui a gagné n'a pas encore fait le plein. C'est-à-dire qu'il y a encore de la marge de progression, on est d'accord. Mais pour pouvoir gagner au deuxième tour, alors il va falloir que. La masse, c'est-à-dire des abstentionnistes. Déjà, on est d'accord que le score peut être plus élevé et donc la gauche peut passer au second tour. Donc ça, c'est bien. Retourné par le discours fasciste, sécuritaire et tout ça. Ouais. Alors il faut qu'ils aillent eux aux urnes, quoi. Donc t'es en train de dire, tu penses pas que la gauche pourrait gagner au second tour? Si. Si, pas la dernière fois. Je dis que la gauche peut gagner dans ce pays si la masse qui ne vote pas, la masse des abstentionnistes, ouais. Que c'est les un quart environ des électeurs qui ne votent pas. Accès, je sais pas. Moi, je veux. On peut parler d'éducation populaire, d'autres choses, tout ça, mais. Ouais, notamment des streams qui pourraient leur expliquer que c'est contraire à leurs intérêts de s'abstenir et que, en fait... Tu utilises des termes, c'est bien que moi, je ne connais pas, évidemment, hein, doumé, je ne sais pas, mais je rigole. Hein, mais si vous ne faites pas voter, si on n'arrive pas à faire voter les abstentionnistes, c'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, qui sont dégoûtés de la politique, qui n'ont même pas une conscience politique, ça va être super difficile de gagner au deuxième tour. La finale, c'est cool, hein. Moi, je travaille pas pour la finaliste. C'est bien parce que tu admets que c'est difficile. Moi, je suis totalement d'accord avec toi que ça va être difficile, mais tu admets aussi que c'est possible. Donc, je pense qu'on est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de parler parce que récemment, il y a des gens qui m'ont dit. Ah non, attendez, non, je parlerai de ça juste après. Mais globalement, je pense qu'on est totalement d'accord, en fait. Donc, en fait, Mélenchon n'a pas encore fait le plein. C'est juste une question de continuer à convaincre, continuer à dire aux gens qui s'abstiennent que c'est pas stratégique, c'est pas une bonne idée pour leurs intérêts. Et aussi, potentiellement, les gens qui votent pour des petits trucs de gauche qui ne peuvent pas gagner. Ça semble aussi être assez important, déjà pour passer au second tour, etc. etc. Mais ouais. Non, okay, mais cool. Qu'on peut gagner, ça fait... moi, je pense qu'on peut gagner, enfin, qu'on pouvait gagner. Enfin, je veux dire, si les gens votaient, je ne sais pas, rendons le vote obligatoire. Je n'en sais rien, mais tu vois, j'ai pas de recette miracle. Hein, mais c'est plutôt Mélenchon une bonne idée de rendre le vote obligatoire. On perd l'espoir déjà d'être au deuxième tour. Moi, tu vois, j'ai toujours voté pour les minorités de gauche. C'est-à-dire que plutôt, je ne suis pas d'extrême gauche, je ne sais pas, je suis juste de gauche. Mais quand tu me proposes un socialiste, alors, et qu'il n'y avait pas Mélenchon
Alors, j'allais voter parce que j'aime bien ces gens-là aussi, les mecs du NPA et tout ça, parce que, tu vois, j'ai beaucoup de potes là-bas. Après, sur les campagnes, les deux dernières campagnes, je suis quand même un des... D'ailleurs, les gens me disent, oh, c'est étrange, on rentre chez toi, t'as deux posters de Mélenchon. Je dis, bah oui, d'accord. Il me dit, t'as mis ton fils de 9 ans au meeting, c'est pas un peu l'orienté. Je dis, bah toi, tu l'as baptisé. Alors, chacun son truc, quoi. Mais... Non, mais c'est vrai. Donc, moi, bah, Mélenchon, c'est... en tout cas, il a permis d'éduquer mon fils, tu vois, d'une intelligence rare. Et puis, c'était intéressant d'avoir la possibilité éventuellement d'aller au deuxième tour, tu vois, cette possibilité. Parce que moi, j'ai vécu qu'avec... On a de la chance. On a de la chance qu'après le mandat de Hollande, la gauche a reconstruit un truc capable de gagner. Quoi. C'est incroyable. J'ai vécu 81, ça n'arrêtait pas de téléphoner chez mes parents prolo, enfin vraiment prolo miséreux. Et on disait, ah, on les a eus, c'est la première fois. Et bon, moi j'avais 13 ans à l'époque, donc je rappelle, ça klaxonnait, ça téléphonait de partout. Les gens ont eu de l'espoir à ce moment-là. Et c'était bien. Et ah, ça a dû être beau, hein, moi c'est... Les deux, c'était... trois premières années de Mitterrand, les radios libres... C'était plus d'une décennie avant ma naissance, mais ça devait être bien. Sympa. Bon, après, on sait bien qu'on s'est tous enculés, mais voilà quoi. Après, il ne faut pas non plus exagérer les trucs négatifs sous Mitterrand. Je veux dire, il y a eu énormément d'avancées, la cinquième semaine de congé payé, la retraite à 60 ans. C'était pas mal. Il y a eu 3-4 trucs. Et après, c'est surtout après Mitterrand le problème. Ouais. Et après, Mulch, tu as sûrement vu « Vive la crise », c'était Montand qui présentait le truc. Oh, quelle honte, quoi. Quelle honte, quoi. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton passage. Je pense qu'on est plutôt d'accord finalement sur le constat et sur le futur. Il faut convaincre les gens. J'étais d'accord sur tout, tu vois, mais c'est cool. Ouais. J'ai eu le plaisir à venir sur ta chaîne, enfin, sur ton stream. Oui. Ah, je sais pas, tu vois. Bah, ça fait plaisir d'avoir des gens de toutes les générations présents sur le stream. Moi, je suis très content qu'il n'y ait pas que des petits zoomers, tiktokers qui soient là et tout. C'est trop, trop, trop stylé. Hein. Et je suis content que le contenu te plaise. Ah oui, juste une dernière question. Est-ce que tu es toujours, pour que tes collègues souffrent le plus possible et mettent l'extrême droite pour que ensuite il y ait un meilleur truc qui émerge des cendres de ça ? Si tu me laisses encore deux minutes, regarde. Regarde, laisse-moi deux minutes, tu devrais pas me parler de ça, quoi. Regarde, parce que... Regarde, oui, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si t'as changé d'avis, c'est pour savoir. Tu sais d'où je viens ce soir, hein. Je viens ce soir, mais ce monde est en train de partir en quenouille, je vous le dis. Regarde. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. Merci pour la réponse. Le chat interprétera ce qu'ils veulent interpréter de cette réponse. D'une convocation par ma supérieure hiérarchique de l'éducation nationale sur dénonciation, sur une lettre de dénonciation. Nous avons passé un très bon moment ensemble. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Non, mais moi, je suis toujours à un moment... alors, vous appelez ça des accélérationnistes. Putain, c'est chaud quand même. Tu regardes les médias, il y a un flic qui bute un mec. Regarde. Bon, bah, des mecs se soulèvent. Si tu veux, mais on bute nos enfants. Et je vois la récupération médiatique sur le deuil de la maman. Et puis, bon, c'est la faute à Mélenchon, hein, bien sûr. Comme ça, tout est clair. Ouais, c'est catastrophique. Si j'étais pas si âgé, je me dirais, mais putain, dans quel monde? Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer sur l'affaire Naël. Et là, je redeviens, tu vois, un petit peu sérieux, quoi. Il y a un flic, ça veut dire qu'aujourd'hui, et la cagnotte, elle est à 1 million, machin. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les mecs, ils disent, oh, il a fait son boulot. Tu as le syndicat Alliance qui te dit, ah, mais c'est bien fait, il a bien fait une racaille de moins. Bon, on est chez les cinglés, les gars, quoi.
Non, c'est juste complètement banal, lunaire et dégueulasse. Hein. La vieille, mais on est chez les cinglés. Ce monde part, ça, ce pays. Et le gouvernement laisse la cagnotte suivre son chemin et atteindre plus d'un million, etc. Pour eux, c'est OK. Le gouvernement met la faute sur la France insoumise comme s'ils avaient un quelconque rapport avec ça. Enfin, la droite au pouvoir est totalement complice de l'extrême droite. Et même, il y a des membres du gouvernement qui sont ouvertement d'extrême droite, comme Darmanin. Enfin, ouais, c'est très très flippant la situation globale en France. Après, moi, j'ai quand même de l'espoir qu'on va réussir à changer les choses et à en sortir par le haut. Là, mais moi aussi, j'ai de l'espoir. Fils, il a 9 ans, donc est-ce que tu veux que je lui vende du désespoir? Qu'est-ce que tu penses quand, tu sais, j'avais dit il y a quelques jours, il faudrait qu'il y ait en fait une grève générale pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale et qu'on pourrait l'obtenir et qu'on pourrait mettre la gauche au pouvoir par ce biais-là avant 2027. Il faudrait mais une grève générale. Tu vas pas appuyer sur un bouton, il y aura grève générale. Regarde. Bien sûr, mais on peut demander aux syndicats, par exemple la CGT. Moi, je vois pas pourquoi Sophie Binet ne serait pas favorable à ça et l'organiserait. Tu vois. Sur la réforme des retraites, je taffe dans une école primaire. On est avec les mi-temps, machin, blablabla. Ouais. On est 12 enseignants, 12. Et je travaille dans un bled en Bretagne. Regarde. Combien on était à faire grève? Un mois. La totalité des grèves. Je parle avec mes collègues. C'est des profs, normalement. Enfin, c'est des profs. Maintenant, il y a de moins en moins de profs. Ça va être c'est de plus en plus de vacataires, des mecs qui sont tenus par une laisse, tout ça. Mais est-ce que les syndicats ont correctement zéro à l'origine de la gauche, d'un peu de culture. Est-ce que les syndicats ont correctement je vais apprendre aux élèves et puis je vais les cultiver un peu. Mais, attends, Narcisse, j'ai une question, Allez, est-ce que les syndicats ont correctement incité Attends, j'ai une question vite fait. Est-ce que les syndicats ont Est-ce que les syndicats ont correctement incité tes collègues à se mettre en grève? Est-ce qu'ils ont communiqué? Parce que moi, ce que je préconise, et c'est surtout pour les secteurs peut-être plus stratégiques encore que les profs et tout, mais moi, je préconise que les syndicats aillent démarcher les travailleurs et carrément, genre, proposent, par exemple, d'être payés pareil que leur. Enfin, d'être dédommagés par les caisses de grève, pareil que leur salaire, voire même plus à des moments. Il n'y a pas de caisses de grève, en l'occurrence, mais. Enfin, pas pour nous, mais. Des syndicats comme la CFDT ont genre 100 millions d'euros en stock dans leur caisse et qui sont censés servir justement à organiser des mouvements comme ça, à dédommager les travailleurs, à organiser des grèves générales. On ne sait pas ce qui se passe. La CGT a aussi plein de ressources, on ne sait pas ce qui se passe. Quoi. Après, quand tu as des collègues avec qui je parle, je leur dis, les gars, vous savez ce qui vous attend. C'est 64, 65, 66, 67. Elle me dit, non, mais de toute façon, on n'aura pas de retraite, on va tous finir à 70. Donc, tu peux faire intervenir n'importe quel syndicat. Il faut leur répondre, on aura une retraite si on se bat pour la conserver et la faire baisser dans son âge. Regarde, en 81, on s'est battu, on a gagné et on a mis la retraite. Avant, elle était, je ne sais plus à quel âge, et on l'a baissée à 60 ans. En fait, c'est possible de changer les choses, il faut juste se bouger et le faire. Non, mais tu m'as posé une question. Je sais que toi, tu es d'accord avec ça, mais je te dis juste, voilà, réponds ça à tes collègues. Il faut lutter contre le dooming de tes collègues. Tu vas poser une question. Est-ce que les syndicats ont fait le travail? Ouais. Tu vas faire quel travail avec quelqu'un, des collègues avec qui tu parles et qui te répondent, qui ont une seule réponse? Mais de toute façon, on n'aura pas de retraite. Je pense qu'il faudra capitaliser. Je dis, mais tu vas capitaliser avec quoi? Avec ton salaire de merde à 2000 balles? Donc, les syndicats… Mais faut répondre, l'argent des cotisations retraite qui sont prélevées chaque mois sur ton salaire, c'est du salaire différé que tu es en train de mettre pour cotiser. Et c'est ça qui va faire que tu as de l'argent. Et c'est pareil que de capitaliser, sauf que quand tu capitalises, ça va te coûter plus cher en fait. Tu vas avoir moins d'argent en retour parce que tu vas donner à un fonds privé et les fonds privés vont faire des profits avec cet argent. Et donc, tu vas devoir en mettre plus d'argent pour en récupérer la même somme après, quoi. On est d'accord, Mutch. Ouais. Le truc, c'est que par exemple, ce soir, j'étais donc en… Mais je sais que c'est très dur de convaincre des gens, Matrix. Et donc, je parlais avec un mec des syndicats.
Et donc, le mec, il me dit, mais non, mais attends, je lui dis, mais de toute façon, le but, c'est la privatisation de l'école. C'est-à-dire avec des super directeurs en école primaire qui vont chapeauter plusieurs écoles. Il me dit, oui, c'est ça, on discute. Et il me dit, mais attends, tu sais, l'année, la rentrée prochaine, comme plus personne veut être prof, en fait, il n'y a plus que des vacataires. Il n'y a plus que des vacataires. Et donc, les vacataires, ils sont tenus par les couilles, si tu veux. Et donc, qui va aller manifester? Vous ne verrez plus d'enseignants dans les rues à manifester d'ici qu'il se passe, je ne sais pas quoi, en France, mais... C'est sûr, c'est compliqué. C'est sûr qu'ils ont mis en place plein d'outils, un grand nombre d'outils pour empêcher l'organisation des travailleurs. Ma conseillère technique, si tu veux, travaille et aussi instite, parce qu'on est obligé de se marier entre profs, hein, évidemment. Non, je déconne. Et... par exemple, elle a vu cette année arriver dans son école pour travailler une instite retraitée qui ne peut plus payer mais tu rigoles, mais qui ne peut plus payer, il y a un décalage, qui ne peut plus payer avec Parcoursup et tout ça, qui ne peut plus payer les études de ses enfants. Donc, elle revient travailler après retraite. Voilà le monde dans lequel on vit. C'est catastrophique. Non, c'est catastrophique. Écoute, merci pour ton témoignage. Merci pour tous ces détails. Merci à toi. Et merci à tout le monde sur le... Je pense qu'on va quand même réussir. Mais c'est vrai que c'est très, très dur, surtout de parler à des gens complètement matrixés par le statu quo, par les médias, etc. Hein. Continue d'essayer, continue de répandre les bonnes positions dans l'intérêt général là-dessus et... Ça va le faire, t'inquiète pas, ça va le faire. Et je te remercie. Allez. Et j'espère qu'on aura surtout des points de désaccord. Comme ça, ça permettra de discuter. Ouais, carrément. c'est toujours sympa de discuter avec toi en tout cas. Merci beaucoup pour ton passage. Maintenant, attends, il faut que j'appelle ma conseillère technique pour savoir comment on ferme. Ah, attends, t'inquiète, je vais quitter le truc et ça sera bon. Allez, à la prochaine. Merci Narcisse Rouge. Je suis face ou tout ça parce que je suis vu. Ciao. Tu vois, machin, tu vas dire, t'es même cassé les couilles, ce mec-là. T'as quand même quoi. Allez. Bonne soirée à toi et à ta compagne. Ciao. Ciao. C'est toujours une expérience de parler avec Narcisse le Rouge. Donnez l'emblème VIP à Narcisse. Oui, mettez le VIP. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Narcisse basé, hein. Narcisse le Rouge. Le plus basé de toute la communauté. Merci Narcisse. Dites merci Narcisse, le chat. C'est là que je redeviens sérieux. Oui. Non, c'était bien. Bah, finalement, t'es plutôt d'accord sur le truc. Moi, je pensais qu'il allait pas être d'accord avec moi sur il allait parler de d'un plafond de verre pour Mélenchon ou un truc comme ça et tout. Mais en fait, finalement, non. C'est un des moments de tous les temps. Merci à Narcisse. Oui. Bon, les gens, est-ce qu'on terminerait pas là-dessus? C'était une bonne petite conversation pour terminer aujourd'hui. Merci beaucoup, Libéric, pour le sub offert à Narcisse le Rouge. Let's go! Narcisse le Rouge, tu as un sub. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que maintenant, tu peux utiliser les neutrosphères et les autres stickers et emotes dans le chat. Et pour faire ça, tu cliques sur la petite icône avec le petit visage. Là où tu peux taper un message, juste à droite, la petite icône, et t'as Neutrosphère, t'as Jean Masséia et d'autres choses que tu peux mettre. Est-ce que Narcisse Rouge est dans le chat? Je sais pas, je le vois pas dans le chat. Narcisse Rouge basé, oui. Merci pour le sub offert, les gens. Définis petite icône. Arrêtez, les gens, arrêtez. On reste accueillant et accessible pour toutes les générations, s'il vous plaît. Et t'as plus la pub. Et oui, surtout, t'as plus la pub sur le stream. Salut, Narglad. Ouais, t'arrives à la fin. T'arrives à la fin, mais tu peux regarder en replay. Tu peux regarder en replay, il y a plein de contenu. Tu vas te régaler. Bon, les gens, on s'arrête là pour aujourd'hui. N'empêche, il a réussi à se connecter à Twitch, oui, et il a réussi. Non, au final, on a pu discuter, donc c'était cool.
Mulch fini Bernalicis, ça me trigger moins que de pas avoir la... Attends, ça me trigger, mais moins que de pas avoir la fin. Non, les gens, ça dure une demi-heure. Ça dure littéralement 30 minutes. Si c'était genre 10 minutes, ouais, mais c'est... Ah, je sais pas, hein. Ça a pas la même saveur en VOD. Ah, Narcisse est là. Voilà, Narcisse. C'est ma meuf qui m'a connecté à Twitch. Ok. Mais que les passages d'Hugo. Est-ce que le replay vaut le coup ou pas? Oui. Attends, Nargat, je vais pas te dire que le replay vaut pas le coup. Tous les replays valent le coup. C'est la neutrosphère, bordel. C'est le seul contenu neutre et apolitique sur Internet. Personne d'autre produit le contenu que je produis. Oui, oui, c'était intéressant aujourd'hui. Bernalicis. Non, mais les gens, ça dure une demi-heure. En plus, Bernalicis ne gère pas vraiment aussi bien que... Je l'aurais souhaité face à cette personne, donc je sais pas. Hein. On va arrêter là, les gens. On va faire un raid quand même, un petit raid pour terminer. Un petit raid. Y'a qui. Alors... Lex Calvin. Ouais, mais il parle des mêmes trucs que moi, j'ai déjà parlé. Vous allez. Vous allez avoir des répétitions. Quoique, je connais pas ces techs sur. Sur tout ça. Mister JD. Qu'est-ce qu'il fait, Mister JD? Encore un Among Us. Allez, je vous envoie chez Mister JD, les gens. Ça a l'air fun. JD, les gens. Ça a l'air fun. Oula. Allez, les gens. J'espère que vous avez kiffé le contenu aujourd'hui. On reprend demain. Mine de rien, ça fait presque 4 heures. Hein. J'arrête pas de me dire, faut que je fasse des streams plus courts pour que j'ai plus de temps pour faire mes vidéos préparées. Mais à chaque fois, je fais des streams trop longs. On peut être en désaccord, mais on ne lâche rien. Oui, Narcisse le Rouge, bien sûr. J'aime beaucoup cette attitude. Faisons route ensemble, malgré nos désaccords sur certains points, même si dans cette discussion, en vrai, on était entièrement d'accord. Allez les gens, bonne soirée. À la prochaine, on reprend très rapidement. Ciao ! À plus.